Comment? Bon, c'est pas nécessaire de me regarder. Comment c'est? C'est un pouvoir? C'est un pouvoir. Il regarde. C'est vraiment mon écran qui doit les intéresser qui sont en ligne. Pas la caméra. Ils m'ont vu hier, c'est bon. J'ai donné pour voir écrire. D'accord, dans la trois personnes en ligne. Donc, rapidement, j'ai fait un récap de ce qu'on a vu hier. Hier, en fait, j'ai fait une sorte d'introduction à tout ce qui est relatif au vocabulaire. Je fais du marketing. Donc, je sais qu'on a vu beaucoup de choses qui paraissent à nouveau. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Donc, je suppose que vous n'avez pas forcément la bonne définition, mais si vous avez vraiment compris ce dont on parlait, si vous êtes un peu habitué au vocabulaire, vous dites que si vous êtes dans une entreprise, on fait du marketing pour vous, c'est comprendre le langage. Vous pouvez parler le même langage avec. Donc, on a fait une introduction pour montrer un peu d'où le marketing est parti jusqu'à où on est aujourd'hui. On a vu un certain nombre de fondamentaux dans le domaine du marketing. Donc, c'était la base théorique sur quoi cette application dans ce domaine s'appuyait. Et ça s'appuyait sur tout simplement les théories de l'économie spatiale. Donc, les théories sur la donc, on a vu plusieurs théories. La première théorie qu'on a vue, tu peux me citer deux, trois théories, les différentes théories qu'on a vues. Et Oui, bonjour. Oui, allô? allô, allô? Oui, ça va. Si bien, ça va envoyer l'argent. Il est On donc, la deuxième bonne nouvelle, tu as parlé de abonner à une vidéo de la OK. C'est logique que le transport soit plus rentable. C'est pas le prix du transport sera plus cher pour changer de logique. Mais ce qu'il a ajouté des gens, c'est que en fonction des produits, il est proche de l'éloigné. C'est-à-dire qu'il y a des produits où plus on éloigne le coût du transport, et moins que les produits qui sont proches du marché où le coût du transport est. Ça, c'est plus les produits périssables et autres. Donc, on a vu ça, on a vu la théorie de Arthur Rudolph en 1900. Et elle fait une théorie sur l'industrie. Bonjour. Une théorie sur l'industrie. On a vu la théorie de Cristaller. On pourra appliquer au il y a des autres théories qu'on n'a pas vu de financer. Je vais vous donner la vidéo. Donc, si on le connaît, je pense qu'il a mis en ligne. Il y a une théorie qui est beaucoup utilisée aussi dans ce domaine, tout ce qui est attraction commerciale et autres, qui permet de calculer l'attraction.
d'un point de vue de l'attractivité d'une infrastructure en fonction de son poids. La distance avec les éléments va interagir dans l'espace. Donc, vous voyez, toutes ces théories-là en politique de poids, utiliser les notions géographiques dans l'analyse économique. Donc, leur application, simplement, c'est le géomarketing, qui est une activité pour la vie, à utiliser les informations géographiques pour améliorer la prise de décision commerciale. Commercial marketing, ce qu'on avait dit, marketing. Donc, on connaît maintenant les fondements, on a vu à quoi est-ce que tu as fait servir une entreprise. Le fait du marketing, c'est bénéfique, ça permet d'avoir un avantage concurrentiel, ça permet d'améliorer la prise de décision, ça permet d'augmenter son efficacité opérationnelle et autres. On a vu les domaines, bonjour, on est arrivé. On a vu les domaines dans lesquels ça s'appliquait. On utilise dans le domaine du retail, la grande distribution. Vous pouvez utiliser dans ce domaine-là. Retail, grande distribution, point de vente, supermarché, pour une entreprise. On a vu que c'était utilisé dans le domaine de la logistique. Quand on parle des domaines de localisation, location, c'est un modèle qu'on va voir. Ce sont des modèles qu'on peut appliquer dans le domaine de la logistique. La logistique, c'est quoi? C'est que on a un certain nombre de véhicules de transport qui doivent aller livrer un certain nombre de produits ou autres à d'autres points. Donc, c'est de pouvoir trouver les itinéraires les plus rapides pour leur permettre de livrer le maximum de marchandises selon les capacités. Donc, on a plusieurs modèles comme cela qui permettent de mettre ça en pratique dans une entreprise de transport et logistique. Donc, c'est applicable à tous ces domaines, au domaine même du domaine public, pour la sélection des structures de signes de santé, pour mettre en place une procédure. On peut appliquer toutes ces méthodes qu'on aura apprises ici à ces différents domaines. Donc, ça vous donne un nouveau champ où vous pourriez demain chercher à exercer. Je sais que intéresserait. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de vous donner cette capacité-là de pouvoir intégrer dans un monde, dans une entreprise qui fait du marketing. Comme moyen d'analyse, les moyens, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout ce qui est analyse de grille. J'ai vu que c'était beaucoup utilisé parce que ça permettait de se passer de tout ce qu'on avait au départ comme découpage territorial et autres, pour avoir un découpage industriel plus affiné, plus à petite échelle. Donc, consistait à faire quoi? À diviser le territoire en zones homogènes. Donc, ça devient comme des pixels. C'est pour le territoire en carré, en hexagone. Souvent, vous allez voir qu'on découpe le territoire en hexagone, au lieu du carré. L'hexagone, là, la forme de l'hexagone vient, la forme de l'hexagone vient de la théorie de cristal, le rouge, okay. Donc, la forme de l'hexagone, ça vient du modèle de. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer cette image. Dans le cours. Ça vient de ce modèle-là. Le modèle du cristal, là. C'est ce modèle-là qui a fait une forme d'hexagone. Et on utilise ça même pour découvrir le. Vous dites que tout ce qu'on fait après se base forcément sur les théories qui ont existé. Rien n'est pas au hasard qu'on ne choisit pas les formes parce qu'on veut les choisir. Donc après avoir vu tout ce qui est moyen, je fais ça pour revenir sur ça parce que comme c'est quelque chose de nouveau que on a venu à faire le coup. Ça peut nous pas donner trop assez de temps pour assimiler. Donc après les moyens,
Dans les moyens, on a vu ça, on a vu tout ce qui était du codage. J'ai dit que c'était pas le codage. Ça consistait, c'était un petit peu de renseignement, mais qui va se baser sur les adresses. On passe des adresses aux données géographiques. Donc, vous avez vu le géocodage. C'est une fonction que vous allez trouver dans beaucoup d'applications de cartographie. Il y a aussi un nombre d'applications de cartographie. Il y a DEX, il y a encore OpenStreetMap. J'ai oublié un dernier. Il y a l'application de Google, de Nokia. Il y a TomTom aussi, merci. Il y a TomTom. J'ai changé de dire. Je Donc, c'est des applications de ça, c'est des applications qu'on met beaucoup dans les véhicules. Donc, c'est, ils ont aussi des plateformes de cartographie et autres. Donc, toutes ces applications-là de Google Maps et autres, ce n'est que des applications, ce n'est des applications qui se basent sur, des calculs géographiques. Bonne application de votre métier. Ça va utiliser les outils, ça va utiliser une application avec ces différents outils. Ce qui intéresse les gens dehors. Ce qui intéresse les gens dehors. Ce qui intéresse, c'est que si vous voyez même toutes les applications qui se sont basées sur ça là, ça donne la valeur ajoutée tellement aux clients que les gens sont à l'aise d'utiliser la Uber, Airbnb. Tout ça, là, c'est des entreprises qui sont dans des outils cartographiques dans leur proposition de valeur. Ouais. D'où ils sont en train de vous dire que le monde de la géomatique et autres apporte même plus aux différentes entreprises. Donc, une entreprise lambda, ça va de fonctionner. Si on vient demain, on lui apporte, on est plus, si on veut demain, c'est sûr qu'on peut utiliser le cartographie qui va apporter une plus-value. Donc, j'aurais du mal à comprendre que pourquoi des étudiants en géomatique, après leur formation, auraient des difficultés à s'intégrer dans les entreprises. Peut-être qu'on vise toujours les entreprises qu'on connaît, on vise toujours les mêmes entreprises. Parce que c'est là-bas qu'on sait qu'on fait. Alors, on sait qu'on utilise la géomatique. Et ça, c'est une paille pour nous, quoi. Faire plus. Pas juste développer beaucoup de compétences techniques, informatiques et autres qui permettent de pouvoir accéder à toutes les entreprises. Je voulais montrer quelque chose. C'est quoi? J'ai fini ça d'abord, je vais revenir dessus. Les analyses, on a vu trois types d'analyses. Il y a les analyses de sectorisation que j'ai parlé. Je vais prendre une carte pratique pour essayer de. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait l'analyse de sectorisation. Pour que vous compreniez au moins ce que c'est quoi réellement aussi. Pas plus tard que hier, je pense. Il y a le médecin qui m'a parlé de tout ça. Et là, il m'a donné des requêtes tellement compliquées que je réfléchis toujours comment est-ce que je vais faire. Faut comprendre d'abord ce que je vais te montrer. Les gens ne savent pas faire, tu vois. Je vais te montrer, tu vas essayer de faire. La problématique, on m'a donné un peu difficile pour la gérer. Je vais expliquer ça lorsqu'ils sont. Et après, les éléments de sectorisation. Il y a vraiment des zones de chalandise aussi. On a vu ce que c'est que les zones de chalandise. Comment est-ce qu'on a fait des outils cartographiques? Les mêmes applications de zones de chalandise avec les outils de Google Maps et autres. C'est des fonctions qui donnent. Ouais. Il y a quoi encore? Il y a l'analyse d'implantation. Comment est-ce qu'on arrive à implanter un point de vente? Donc, c'est une analyse très intéressante qu'il faut savoir faire. Il faut savoir faire. Parce que toute entreprise
pour installer un point de vente, pour installer une activité, je vais les faciliter au lieu de faire des études de manière partielle ou autre. Donc, en tant que géographiste, ça doit être capable de faire ce type d'analyse. Donc, voici un peu résumé tout ce qu'on a eu à faire. Donc, on va essayer de passer à la pratique. J'ai monté un ou deux trucs d'avoir de constater à la pratique. Des choses qui nous interviennent en fait. Est-ce qu'il y a des questions? On entend depuis hier aujourd'hui. Sinon, faites pause cuisine à qui et puis Excel. Les trois outils de la manipuler, on veut regarder, enregistrer. Je voulais après reprendre ça de vous. On aura sur la partie implantation, je vais vous donner des exercices pour comprendre ce que j'ai demandé à faire comme activité autre qui serait valable. Maintenant, il y a un grand souci, c'est que depuis, comme je pense que ça fait un bon moment, il arrive à utiliser que 10 ici connecté. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand je suis connecté à Internet, je suis connecté tout le temps. Je ne sais pas pourquoi les chaînes de version risquent de je suis fatigué des chaînes de version. Je ne sais vraiment pas utiliser que 10 en ligne. Donc là, je suis connecté. Pour les gars qui sont en ligne, comment est-ce que je vais m'en sortir? Vu que je suis censé faire un partage et autres. Là, Ça va que même j'ai arrêté de faire beaucoup de choses que j'ai. On va essayer de faire, ça va planter, ça va tout ça s'arrêter. Donc ça m'étonne, vous dites que vous n'avez pas ce problème. Hein. Non. Ok, si vous n'avez pas ce problème, peut-être que je vais récupérer l'ordinateur de quelqu'un. Est-ce que l'ordinateur de qui a travaillé à quelqu'un? Comment je peux gérer ça? Ah, je veux tout faire, mais je voulais montrer ce qu'il dit. Attends, voir comment est-ce que ça sera le plan de QG, je ne peux pas faire tout. C'est mon plan qui est là. Attends, je vais coder un peu plus QG, c'est que j'ai un peu plus QG, donc déjà en ligne. Un peu, un potentiel dans le centre commercial. Pour les deux points. D'accord, je regarde, il y a plus mon QG. Là même, je rentre, ouais. Automatiquement, j'en sais. Je ne réponds pas. Tout simplement parce que. D'accord. Il y a quelqu'un, vous pouvez vous connecter, non? Quelqu'un a été connecté ici en ligne avec sa machine. Ça y est, voilà, avec quelque chose qui est d'actuel, c'est de sa machine. C'est pas si lent que ça. Essayons, voilà. Pas à distance, ça sera lent. Mais d'aller sur la machine. Donc, qu'est-ce que je peux partager maintenant?
Bon, on va improviser. Ok, donc. Tu connais ma machine, je vais prendre la machine de quelqu'un. D'accord, ce que je voulais montrer. Je vous parlais hier qu'il y avait ta machine. Bon, essaie de t'asseoir devant comme cela. Mais tu as deux autres machines. Tiens, cette machine, assieds-toi devant comme cela, je pourrais revenir sur ta machine à chaque fois. Hier, je vous parlais que l'exercice de personnes spécialisées au marketing, ce que je voulais vous montrer, il y a de Paris, Toulouse, Okay. Je parle du PEC. Qu'est-ce que j'ai mis dans ici? On avait parlé quelque part. Je vais dire, c'est une vraie sympathique. Donc, là, vous voyez, c'est le master de Paris-Est, Retail. Master Geo Marketing. Vous montrer un peu. Vous allez comprendre ce dont on parlait. Il y a beaucoup de thèmes dont on parlait. Le master combine étroitement la formation, pour ne pas faire de publicité, connaissances interdisciplinaires en géographie socio-économique, en économie spatiale, en géo-organisation des entreprises. Deux en parle de solutions. Voici les logiciels qu'on utilise dans le domaine. Les méthodes d'analyse statistique dont je vous parlais, les outils d'aide à la décision, d'implantation et développement. Tous les types d'analyse, toutes les compétences qu'on a après, quoi. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Délimiter, analyser les zones de chalandise de points de vente. Optimiser l'implantation des magasins, des réseaux commerciaux et d'activités publiques. Vous disiez qu'on peut utiliser pour faire vraiment un certain nombre d'infrastructures, hôpitaux, aéroports. Organiser la campagne publicitaire de terrain, prévoir des chiffres d'affaires, attribuer des secteurs géographiques, c'est tout ce qui est sectorisation spatiale. Définir des zones géographiques et concessions. Analyse de marché, ça c'est vraiment tout ce qui est marketing, management comme compétence à avoir. Tout ce qui est géomatique là, vous avez une très bonne capacité dans ça. Les fondements du géomarketing, tout ce qu'on a vu, géographie, socio-démographie, introduction au géomarketing, zone de chalandise, les méthodes d'implantation, ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on appelle la géo-optimisation, c'est tous les algorithmes qui permettent de. Ce qu'on va voir tout à l'heure, un algorithme de géo-optimisation qui permet de détecter des zones, des points en allant sur le modèle location, localisation à location, c'est un modèle de géo-optimisation et autres. Analyse spatiale et autres. Donc, il y a tellement de choses à voir dans ce truc-là. Mais je pense carrément tout ce qu'on a vu là, ça vous permet d'acquérir un certain nombre de connaissances qu'un jeune marketeur doit être capable de faire. Donc, ce qui a été cité là. Donc, si on arrive à faire un certain nombre d'analyses ici, ça veut dire qu'on est capable de s'intégrer à une entreprise de jeune marketing et d'intégrer un grand nombre d'entreprises. Et ce qui est bon, c'est que comme c'est une matière qui est ciblée pour entreprise, ça veut dire qu'on peut intégrer un grand nombre d'entreprises. Donc, les applications dont je parlais, la grande distribution, les entreprises commerciales, les banques assurances, les télécoms, l'automobile, l'énergie, tout un panoplie d'entreprises auxquelles qui viennent s'ajouter à ce dont vous pouvez intégrer d'abord en tant que géomaticien. Donc, rapidement, c'était pour vous montrer ça.
OpenStreetMap. Je vais utiliser un. Je pense qu'il y a 26 points. Donc, aujourd'hui, pour le TP, voilà ce que je vais essayer de mettre en exergue. On va commencer par le géocodage. Sur QGIS, sur ArcGIS, la sectorisation. Ensuite, tout ce qui est zone de chalandise. Et après, implantation et localisation commerciale. Donc, on va voir ce modèle-là de localisation, location, et puis on va voir tout ce qui est analyse d'adéquation ou analyse multicritère, un type d'analyse multicritère. Donc, pour le géocodage, ce qu'ils disent, on a besoin, on peut utiliser ces trois plugins. Mais ça, on peut. Pour faire du géocodage, on peut utiliser le plugin Geocode, Opelias Geocoding, ou Location Lab. On va parler du milieu Opelias Geocoding. Donc, comment on installe les extensions dans QGIS? On a une extension plugin et puis on cherche ça. Elias Geocoding. Je pense que moi, je l'ai déjà installé ici. Comme je le disais, on a commencé. On devait Non, bonsoir, tout le monde, ça va arriver. Dieu, va bâtir. Tu veux arrêter là. Donc, si je peux le faire partir. Je n'arrive pas à utiliser le lycée. Quelques jours. Tous les problèmes. Moi, j'ai installé un QGIS portable. Peut-être que ça peut gérer la fin. Je vais voir dans la séquence. Bon, si on ferme le réseau, est-ce que je parle? Bon, là. Bon. On va pourquoi c'est pas connecté à Internet. Je peux faire parce que le c'est connecté à Internet, c'est tout ce que je cherche. Je fais ça, je vais se reconnaître aussi. Ok. Compliqué, je vais faire. En tant que ça marche pas, c'est ça. En tant que je laisse, je lance à Grifo. Ok. Les gars, là, oui, je vais les mettre. Vais les mettre en bas parce que je pense que. Donc, je pense que c'est tout l'Internet. Ouais, ça, c'est ce plugin-là que j'ai lancé. Il y a ce jeu posé. Oui. C'est juste d'aller dans l'extension. S'il vous plaît, arrêtez les bruits dans le fond. Allez juste dans l'extension. Vous pouvez atteindre plus rapide ça, vous pouvez le faire. Oui. Mais vous serez bloqué quelque part dans le paramétrage. C'est que, comme je vous ai dit, je vais utiliser une base de
d'OpenStreetMap. La base d'adressage d'OpenStreetMap a dans l'outil OpenRoute Service. Donc, si vous voulez OpenRoute Service, comme je l'ai dit, dans une forme de Google Maps qui permet d'utiliser les différents services cartographiques d'OpenStreetMap. Donc, ça, vous voyez, dans l'application, il faut que je choisisse qui est-ce que je veux. Quand j'ai fini de choisir, je viens dans là. Ouais, j'ai mis une clé. On peut soit utiliser un truc propre à soi, on peut utiliser Google Earth, appel de Google Earth. Donc, je prends celui qui est open. Il est open. Donc, j'ai une clé de ça. J'ai une clé que j'ai faite sur OpenRoute Service. C'est cette clé-là qui me permet d'utiliser dans l'API. Quand on parle des services cartographiques, je vais utiliser l'API. Une clé. Pour avoir une clé, il faut aller juste sur le. Est-ce que je cherchais bien mis OpenRoute Service? Parce que. Open route service. OK. Donc, il suffit juste de venir là. Sur ce site-là, de créer un compte ici. Et c'est ce compte-là qui vous permet de créer l'API. Login, quand vous connectez, vous créez un compte sur ce compte-là, sur ce site-là, vous pouvez donc créer un API. Et l'API va vous permettre d'utiliser tous les services de cette application. Home service, on a direction. Direction, ce qui vous permet de pouvoir utiliser le kit, le complice de Cocody. Je vais, après, en Côte d'Ivoire. Quelle est la direction la plus rapide à prendre? Quelle est la route qu'il faut prendre? Ça, c'est une fonction. C'est une fonction, un service cartographique qui est disponible sur ça. C'est disponible, la même chose est disponible sur Google Maps. Il y a Time Distance Matrix, une matrice de distance qui permet de calculer à partir d'un point, à partir de plusieurs points, les différentes distances entre un point A et un point B. C'est une matrice de distance. Non. Partie de distance, si vous voulez, je prends un exemple. Je pense qu'on faisait ça avant, mais maintenant, on ne trouve plus comme ça. Avant, on avait des tableaux qui mettaient entre toutes les villes de Côte d'Ivoire, les distances, peut-être entre Poitiers et Abidjan, ça fait 10 km entre Abingou. On avait un tableau comme cela. Un tableau à nous montrer. En haut, on a peut-être toutes les mêmes localités. Et on les a en production de faire des calculs qui passent entre les différentes localités. C'est déjà une matrice de distance. C'est calculé à partir. On a un chiffre de points. Puis, on peut calculer les distances entre ces différents points-là et même. Ça, on appelle matrice de distance. Et l'outil peut permettre de calculer une matrice de distance. L'outil permet d'avoir tout ce qui est POI. C'est le fait qu'on ait accès à tous les points d'intérêt qu'on a sur l'application. Quand vous êtes sur OpenStreetMap, même sur Google Maps, vous avez tout ce qui est POI. C'est le fait de voir cartographier l'université de Cocody, de voir cartographier la gendarmerie. C'est ça qu'on appelle le POI. Ça, en anglais, c'est point of interest. C'est le point d'intérêt. OK? Donc, ça permet d'accéder à tous ces points d'intérêt-là. Isochrone, ce qu'on a vu hier, c'est ce qui permet de faire tout ce qui est zone de chaleur. Isochrone. Il y a ce geocoding-là, c'est l'application qu'ils ont mis sur QGIS pour utiliser toutes ces fonctionnalités. Élévation, c'est pour calculer des élévations, vous voyez, donc, des STRM, connaître la topographie. Donc, toutes ces fonctions, on peut l'utiliser dans une application. Optimisation ici, en bas, ici, c'est tout ce qui est trajet de véhicules, routing de véhicules. C'est bon? Donc, de la même manière que vous avez ça sur Open Road Service, vous l'avez aussi sur Google Maps, vous l'avez sur IE. Et autres. Donc, c'est les fonctionnalités qu'il faut connaître. On peut être géomaticien, puis on ne connaît pas toutes ces applications. Alors que c'est ce que les entreprises utilisent pour faire leur appui d'ancien. Donc, on vous montre un peu un ensemble de choses.
des cartes. Ok. Donc, c'est Pélias là qu'on va, on a utilisé pour, qu'on va utiliser dans QGIS pour faire tout ce qui est geocoding. Oui. Token, je n'ai pas envie d'aller chercher. Attends, voir si j'arrive à me retrouver. Mon mot de passe ici. Login. J'essaie de me connecter aussi. Est-ce que je mets toujours comme compte? Oui, je l'ai trouvé. Donc, c'est un token que j'ai créé. On peut mettre la date même que j'ai créée. Et si j'ai tous les points, on dit j'ai utilisé ça 40. Non. Ici, on me dit toutes les fonctionnalités que j'ai à utiliser avec cette clé-là. Tout ce que je peux faire avec. Apparemment, je peux faire 2000 requêtes par jour, je ne me trompe pas. Le gratuit, quoi. Sinon, on est obligé d'utiliser plus. Tout ce que j'ai comme POI, si je dois utiliser ça pour faire une application, on met un géocode autocomplète. Ça, comme cela, est-ce qu'il permet, parce que tout est, quand vous commencez à écrire le nom d'un lieu, vous mettez peut-être campus de propos, vous mettez campus, vous faites des propositions. Vous mettez campus, vous mettez campus, vous mettez campus, vous mettez campus de propos, vous mettez campus de ça. C'est une fonction autocomplète. Il permet de compléter ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, tu veux qu'une application se passe ça déjà. Une application ne sera pas utilisée plus facilement. Il va falloir que nous écrivions tout, il n'y aura pas de proposition. Donc, c'est la fonction qu'on met dans l'application. Parce que vous devez développer l'application, tiens compte de tout ça. Pour que ton application soit intéressante. Si tu ne mets pas de l'autocomplète dedans, reverse, geocode reverse. C'est du geocodage inversé. C'est-à-dire que si j'ai un point, comment est-ce que je peux trouver la base géographique derrière? Switch, ça permet de chercher, de pouvoir ouvrir l'onglet de recherche pour faire des recherches. Ouais, il y a toutes ces fonctions. Donc, c'est cette clé-là que j'ai créée ici. Je sais même plus en quelle année j'ai créé cette clé, mais je sais que ça ne date pas de maintenant. Mai 2016, là, ça, c'est parce que je viens d'utiliser. Donc, c'est ça, cette clé-là que je prends. Et que je suis venu copier ici dans le logiciel ici. J'ai validé. Dès que j'ai validé, j'ai ça. Maintenant, il me dit de taper un test. Je vais taper une adresse. Donc, je prends les exemples d'adresse ici. J'ai mis ça ici, je n'ai pas avoir réfléchi. Je prends les adresses ici, qui ne sont pas de chez nous, bien sûr. Et puis, je fais OK. Donc, il est allé chercher, il a utilisé l'API pour faire, il m'a donné un résultat. On est parti encore pour l'application qui se plante. Comment ça se fait que c'est moi qui ai ce problème-là? C'est bizarre ça. Les gars ont bloqué quand c'est ma machine qui fait ça. Ce que je voulais faire, c'est juste ajouter un fond de 4 derrière. Ok, ouais. Donc, l'adresse que j'ai tapée là, la voici ici. J'ai tapé une adresse 303 Pitt Street, Atlanta, aux États-Unis. Donc, ça m'a amené aux États-Unis. Ça m'a donné l'adresse de la zone 303 Pitt Street, Stat. Ouais. C'est ça, faire du géocodage. Donc, si je suis dans l'application, c'est quoi? C'est que je suis dans une entreprise, une phase de l'entreprise. Je vois toute l'adresse des clients de l'entreprise. Je viens juste avec une application. Donc, on charge cette liste-là et puis je lance cette application. Et là, je vais faire quoi?
un peu traduit toute la localisation des clients en coordonnées géographiques. Donc, du coup, j'ai les coordonnées secrètes de tous les clients en point. Donc, je peux utiliser pour faire n'importe quelle analyse que je veux après. Je lance un deuxième truc, je vais apparaître cette fois. Lance ce point et je zoome sur ça. Monsieur le Super, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Comment? On fait quoi? On va demander de créer un compte pour faire des choses. C'est pas ça, ça a été. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à chaque fois. Comme ce compte, c'est pas un compte, c'est un compte, c'est un compte, c'est un compte, c'est un compte. Pour monsieur, il faut le rapide aussi. Il faut faire une marque. Il est là, dans ce domaine, je vais là. Il a dit, il faut faire un côté, prendre un point d'entrée. Il y a un gars qui a un compte. C'est ça, excuse-moi, je vais chercher dans les réseaux. Je ne veux pas vous donner un compte. Je veux qu'il veut faire. Dès qu'il dit, c'est bon, il veut faire après, il va devoir la vidéo, je vais essayer. Donc, c'est là, bon. Ils sont obligés de vous montrer parce que moi j'ai paramétré. Je pourrais faire directement. Si vous ne montrez pas ça, vous allez venir, vous allez taper le lien pour le moment. Il y a paramétrage. Le moment, c'est là. Donc, si vous voulez créer, chacun a créé son compte. Donc, je vois. Allez dans le token, créer son nom, appeler l'email. Et ce même compte que vous aurez à vous utiliser dans d'autres applications. Ça sert toujours d'avoir son compte. Moi, c'est content, même si je dis que j'ai créé à 3 ou 4 ans. Il permet de créer un peu de compte. De créer beaucoup de choses, quoi. C'est le token. De créer un API. Je pense c'est automatique, non? Après, l'autre a réussi. Quand tu as créé ton compte, on va envoyer un message. Quand tu as créé ton compte, c'est ton compte directement. Je On met la clé là, il nous donne rien. Il n'a pas de pas d'informations, il c'est pas assez. Je suis d'accord. On décline le bagage. Donc, c'est ici. Token, j'ai standard. Je mets le nom que je veux donner. Peut-être que je suis dans un projet. Donc, je peux nommer cette clé-là pour dire que c'est la clé d'un projet A pour un test de cours, ce qu'on veut. Et puis, tu fais créer token. C'est fini. Quand tu fais ça, il te donne ça. Dans cette clé-là, tu veux juste cliquer dessus, il dit la copier. Et c'est cette copie-là que je viens. Mon application, je rentre là et puis je colle là. Je fais OK. On peut l'utiliser. Pour faire beaucoup de choses. C'est là, c'est juste que peut-être que tu as différents projets, il y a une capacité derrière. Ça, c'est un standard qu'on appelle une capacité derrière. Ici, voici la capacité que je dis. Donc, tu vois que si tu dois utiliser pour faire plusieurs projets, peut-être que ta capacité sera limitée. Donc, je peux avoir deux différents projets, mais faire un pour chaque projet, pour faire j'ai encore les capacités. Parce que si je lui dis, il faut 2000 requêtes, si toi tu as plus de 3 projets, les 3 projets arrivent à 2000 requêtes, ça passe mieux dans 15 projets. Alors que si j'ai 3 clés,
Trois projets, ça me fait 6 000 requêtes, donc 2 000 pour chaque projet. Bon, ça me fait. À quel qui a réussi à faire? Ok. Je vais créer ça. Suivez, si vous voulez. Quand vous finissez de créer le compte, s'il vous plaît, quand vous finissez de créer le compte, vous venez juste en bas, on vous montre ça. Vous choisissez ça, standard. Vous mettez le nom que vous voulez donner à la clé. Vous créez ici, create. Et puis, il crée ça. Il crée ça. Il vient mettre le nom que vous avez créé là. Il met une clé là et toute information. Et c'est cette clé-là que on clique juste dessus, puis la copier. Et c'est ça qu'on va aller mettre dans l'application. Ceux qui sont en ligne, c'est bon, vous nous suivez? Oui, on suit. Ok, d'accord. Si y a des questions pour vous poser. Partage là. Cela durait dessus. N'a pas pu créer son sa clé. Qui n'avait pas créé sa clé? Ah. Il veut forcément activer les qui sont c'est pas Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous m'entendez?
Vas-y. Monsieur, j'arrive pas à créer mon compte. On me dit d'activer les cookies et je viens activer, mais ça ne passe toujours pas. Je viens mettre à jour les préférences des cookies. Il y a une partie, ils ont mis cookies de fonctionnalité. Cookies de fonctionnalité. Attends, c'est vers où? C'est en bas. Il y a une barre noire qui est en bas. Oui, ils ont mis mettre à jour les préférences de cookies, service de développement de l'institut. Bon, c'est ça seulement ils ont mis chez moi. Oui, il est cliqué, mais bon. Partage son écran, si tu peux partager. Ok. Ah, je coupe un tout petit peu. Oui, vous voyez, c'est là. Quand je clique ici, ça me fait Non, non, mais tu vois, vous avez... Attends, reste là. Vous avez mis le bic à gauche, là, c'est quoi? le bic à gauche. Non, à gauche, descend en bas, là, je vais commander. Vous avez mis mettre à jour. Mettre à jour les préférences, vas-y. Quand je clique dessus, ça me ramène en haut. OK. Donc, je vais essayer de relancer Soumettre. Voilà, c'est ce qu'on me. Déposer une inscription nécessite des cookies de fonctionnalité pour charger le service Google Recap. Ah, ok, c'est ce service. Hein. Google Recap. Capture. Veuillez les activer dans les préférences de cookies, voir pied de page fermé. Ok, d'accord. D'accord, donc dès que tu cliques sur ça, ça te ramène en haut. Ça me ramène, oui. Ok. Je Ok, recharge ta page là. Ok. Oui, il fait. Viens dans update. Non, attends, moi, viens dans update cookies préférence, ça va. Juste en bas. Dans la barre noire là. Va de l'autre côté, oui. Oui, Clique dessus, avant. Ok, les trucs nécessaires. Tu as des trucs nécessaires là, je vois. Fonctionnalité cookies plutôt. Ok, tu peux activer. Ok, reprends, je vois. Ok. Un shield. On laisse comme ça. On va faire le temps, c'est ça. Je vais permettre de... Un nouveau camarade qu'on peut faire en ligne, non? On peut mettre le suivant. Descends. D'accord, monsieur, j'ai reçu mon mail. Et donc, ouvre le mail et puis valide en haut.
Mais monsieur, je ne vois pas le compte pour valider le mail, le compte. Ok, donc attends, arrivez son mail. Activez votre compte, ok, c'est bon. C'est bien. Monsieur, c'est ici, je mets mon nom ou bien... Tu mets token name là, pas vous-même. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Ok, d'accord. Donc, monsieur, l'extension pour télécharger le truc, le nom de l'extension. Son écran, hein. Ok, va dans l'extension, au point de la donc, du coup, on peut le suivre là. Installer et gérer l'extension. Ok. J'ai une erreur d'accès. Attends, laisse que ça charge d'abord. Attends, pourquoi vous ignorez? Attends, avant d'ignorer, c'est impossible d'obtenir le certificat. Les méthodes locales, c'est le même. Ah bon, ignore, on va voir si ça nous prépare le plan. Abandonne le. Ok, descend. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Donc, arrête-toi là, ne parle pas là. Attends. Il passe. Va doucement. Ok, c'est bon, arrête-toi là.
Quand on est là, on a installé l'application Elias là. Va dans paramètres, tu vois le signe comme réglage là. Tu cliques là. On clique là et puis il y a la partie Open World Service là. Tu cliques pour que ça se. Et puis tu colles la clé dans où j'avais API key. Voilà. Et puis faire OK. Bon. Okay. Oui, oui. Maintenant, je te donne l'adresse que tu vas copier, tu vas écrire dans la partie test là. Mets-toi dans la partie test et puis tu écris ce que je vais te dicter. Écris 12. C'est ça, copie ça, vas-y. Copie, vas-y. 12. 12 ans, BD. Ah, c'est Monica? Ah, ok, j'ai oublié. 12 BD. J'ai écrit 12, non? Oui, oui. Espace BD. BD en majuscule. BD. B comme banane. Ok. Espace. Tu mets 2. DE, et passe 2 là. Ok. Mais D comment Daddy. Au lieu de B. Ok. Tu vas, tu mets espace. Tu mets S. E. B comme banane. A. S. D. O. P. O. L. Sébastopol. Ok, tu mets espace 75003. Espace, tu mets Paris en majuscule. Tu fais OK. Il dit quoi? Spécifier. Attends, spécifier Pilas Provider pour lui. Attends, mais tu as paramétré comment? Fais OK. Va dans le réglage là-bas. Fais OK, hein, va dans le réglage là. C'est bon, tu as fait OK, non? Fais OK. Oui. Fais OK, Yama. Ils ont mis provider là. Non, non, retourne dans provider là. Ils ont mis no provider configure. OK, sélectionne. OK, ça ne pas. Reviens dans le réglage là. Il fallait faire add. Il faut faire add qui est à côté là. Comment? Fais add. Add, add à gauche là. Add. Maintenant, mais Open Route Service. Open Route Service. OK. Je colle la clé. Colle la clé. Non, non, attends. Il est en train de te créer un nouveau. Va bon. Il est en train de créer un nouveau. Repars dans ce qui est en haut là. OK. Là, tu as fait ça dans 1040 minutes. Open Route Service. D'accord. Fais OK là. Fais OK. Bah, tu vas produire du réglage là. Il y a un truc pour actualiser. Il faut faire ça. OK. Attends. Hein. Tu as créé un deuxième. Je sais pas. Va supprimer ce que tu as créé là-bas. Là. Open on c'est ça. Tu vois que tu as créé deux dans le réglage là. Oui. Va voir si tu peux supprimer l'autre. Faut pas que ça nous fasse un peu. Ok. Et puis, mets-toi sur le deuxième qui est en bas là. Mm-hmm. Reviens, descends. Envoie ta souris en bas. Ici. Et puis, clique dedans. Et puis, fais remove juste en bas. Ok. Attends.
Oh, je viens valider tout mon truc. Attends, pour faire remove, il fallait sélectionner. Mm. Attends, ok, je te donne le code. Tu vas supprimer le truc à défaut. Il doit remettre la clé. Ok, tu as fait le remis. Il fait annuler. Remets la clé, ok. Tu as... Attends, je reviens sur ton sur l'écran. Ok. Tu as remis la clé. D'accord, remets la clé de ton API là. Là-bas. Reste dans le réglage. Hein. Oh, tu as supprimé ce qui était là. Oui, oui. Ok, c'est revenu. Bon, c'est bon. Fais OK. OK. Il faut lancer. Fais OK ici, on va. Okay. Oui, il y a un point qui a apparu sur mon. Fais un zoom dessus. Donc, tant que tu fais OK, il va créer encore. Ah, OK. Tu peux annuler. Tu peux mettre un fond de carte en bas. Dézoom pour qu'on puisse voir. Regarde Google Maps, on va voir les articles de la histoire. C'est bon, non? Mm-hmm, ça va. Donc, merci. Je réponds, mon égard. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Tant pis. Donc, c'est la même chose. Il y a une deuxième application qu'on appelle Location Lab. Bonjour, monsieur. Il y a aussi. Bonjour. Moi aussi, j'ai un souci quand je fais submit au niveau de création de compte là. Donc, il me renvoie juste un message Processing Registration Clause et ça n'avance pas. Et tu ne nous as pas suivi. Si tu nous avais suivi, c'est ce que nous avons comme problème, celui qui a passé dans le temps tout à l'heure. En bas là, on te met les préférences. Ouais, même ouais. Pas non, en bas, il faut cliquer dessus sur la partie cookies là. Ok. Ça te donne quoi comme résultat? Ça me donne là où il y a save mes préférences. Ok, ça te donne comment dire, une fenêtre où il y a les préférences, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu vois, ils ont mis fonctionnalité cookies là. Toute fonctionnalité ou quoi, un truc comme ça. Fonctionnalité cookies. Oui, yes. C'est qui sur fonctionnalité que tu actives. Il y a un truc coché pour activer en bas. C'est activé. Ok, quand tu actives, tu fermes, tu ne veux pas faire ton, créer ton compte. Tu actives, tu veux OK, tu ne veux pas créer ton compte. C'est bon, toi, tu as vu. La clé que j'ai créée là, pour le faire après. Donc, ça veut dire qu'on aura un adressage en Côte d'Ivoire, on pourra mettre comme ça le nom de l'adresse.
L'activer, c'est quoi? C'est que je mets une adresse et puis me donne un point. Donc, c'est comme cela. On se retourne souvent dans l'entreprise. Les entreprises vont localiser leur client par l'adresse comme cela. Je suis tel client A. Mon adresse est 12BD. C'est pas ce que Paul, sur 15 minutes. De ça, maintenant, je dois avoir la coordonnée démographique de mes clients. Je vais être capable de géolocaliser toute ma base clientèle en allant sur cette adresse. Ah. Donc, je vais montrer une deuxième application. Celui-là, c'est réactif. On a voilà. Trop de cas, Gélène. Sinon, ça va m'en gueuler. Maintenant, il dit cela. J'ai une question. Oui, oui, vas-y. Qui nous embrouille, mais puis j'arrive pas à nous dire. Oui, vas-y, pour ta question. Oui. Monsieur, ma question, c'est la suivante. Cette manière de retrouver l'adresse géographiquement pour quelqu'un qui a la carte de fond et qui peut aller en navigation, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est pas plus simple en navigation de retrouver mon lieu? Le lieu que je cherche, de passer par tout ce truc. C'est le follow de mettre en Attends, il y a une interférence. C'est lequel qui a le micro ouvert pour qui est dans ligne? Kofi. C'est qui? Kofi. Kofi. C'est Kofi qui parle, non? C'est Kofi. Ça, non? Kofi. C'est ça qui pose la question, non? Je demande celui qui active son micro à chaque fois. C'est le micro de Dolo. Dolo. Il n'est pas connecté. Qui peut appeler Dolo là? Délégué. C'est bon, toi, il n'y a pas encore du vent. Ah, mais là, il nous fatigue. Il s'est de prendre. Ok, Kofi, repose ta question. Oh, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, monsieur, je disais que. Vous m'entendez? Vas-y, allez-y. Oui. Monsieur, je disais que en navigation simple, ce n'est pas plus facile de trouver cette adresse-là. Que de passer par tout ce process pour saisir l'adresse. Tu sais que tu n'as rien compris de mon cours. Tu dois navigation simple. Moi, je suis en train de te dire que si tu es dans une entreprise. D'abord, je dis que la navigation simple dont je vais parler là, c'est une forme de. C'est le service qui est derrière, c'est un jeu codage que tu fais pour faire la navigation simple. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est ce que je veux que tu saches. C'est-à-dire que un gars qui n'a pas fait de la domatique et autres, lui, il sait que quand il veut naviguer, il saisit, il fait. Mais toi, le spécialiste, c'est quand tu fais ça, tu fais ce qu'on appelle du géocodage. C'est différent. Ça, c'est le point 1. Le point 2, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu vas te retrouver souvent dans des entreprises, la base des clients, là, les clients vont donner leur. Tu as une entreprise, tu dois travailler pour une entreprise. Tu as forcément besoin de localiser les clients de l'entreprise. Et les. Clients vont donner telle information pour dire où ils habitent. Ils vont donner tout simplement l'adresse. Maintenant, toi, tu n'as pas. Ils vont te donner une entreprise à te donner la liste de ses clients avec leur adresse à côté. Voici le chiffre d'affaires qu'ils ont fait, voici les produits qu'ils ont fait. Toi, tu n'avais pas outil de navigation pour naviguer. C'est quoi le truc? Tu comprends ta question? Ça n'a rien à voir avec ça. En réalité, je te dis, voici des outils qui peuvent t'aider à faire quoi? À utiliser la liste que tu auras et puis pouvoir localiser tous ces clients-là pour faire tout type d'analyse après. C'est ça le principe que tu peux retenir. C'est bien compris. Pour faire ce jeu au codage, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur des API d'applications cartographiques qui existent. Donc là, maintenant, tu sais que tu peux le faire avec Open Route Service, tu peux le faire avec Google Maps et tu as la capacité d'utiliser QGIS pour faire de type pour localiser tous ces clients-là. Je reviens tout à l'heure, si vous regardez, j'ai fini, hein? J'ai fini de répondre à la question, c'est bon? Je passe directement, rapidement, à une autre application que j'appelle Location Lab, en haut là. Ouais, l'application qui est juste à gauche là. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Au fait, ma question, elle est consécutive à celle de Kofi. Okay. Moi, je voulais savoir... pour donner la carte que vous avez donnée tout à l'heure, c'est une seule adresse que vous avez rentrée. Mais si l'entreprise, au cas où elle nous donne plusieurs adresses, donc à chaque fois, on doit rentrer l'adresse de chaque client, ou bien à partir de l'adresse d'un seul client, on peut repérer tous les autres clients.
Ta question, elle est pertinente, mais il ne faut pas répondre à ta question. Ta question, elle est pertinente. J'attendais qu'on pose cette question. Donc, malheureusement, ce que je dis, je ne pouvais pas l'application Pilias Low Coding qui est utilisée par OpenStreetMap là. Comme tu l'as dit, ne permet que de rentrer un test. Quand je viens à la partie structure, là, je pense que tu as la possibilité d'ajouter une couche. Ici, je n'ai pas eu à utiliser ça parce que je n'avais pas de base ici. La partie structure, là. Je ne sais pas si ça appuie sur le fait qu'il faut utiliser un fichier Excel ou autre. Mais je n'ai pas vu comment est-ce qu'utiliser un fichier Excel. Il n'y a pas de souci. Donc, normalement, c'est dit que l'application doit permettre. Une application de geocodage doit permettre de quoi? D'ajouter un fichier Excel dedans. Et puis, dans le fichier Excel, tu dois pouvoir lui dire, voici le fichier que j'ai ajouté dans ce fichier-là. Voici le champ qui représente l'adresse. Parce que souvent, l'adresse, là, vous avez vu ici, il y a une manière de structurer l'adresse. Vous voyez, il y a le nom de la rue, il y a le nom, le numéro du bâtiment, et après, il y a le numéro de toute la commune rose. Donc, il y a une manière de structurer. Donc, chaque application que tu vas utiliser là, va te demander de structurer ça. Donc, trouve comment est-ce que l'application te demande de structurer. Comme ça, moi, je vais te trouver ça. Et puis après, maintenant, à partir du fichier Excel et autres là, tu vas pouvoir charger le fichier Excel qui permet de le faire. Voilà. Donc, dans les applications spécialisées de géomarketing, ils permettent de charger des applications. Ça, j'ai vu que quand je regarde, je ne pense pas qu'il arrive. Mais je venais à là. Quand tu vois, j'ai mis sur mon écran location lab. C'est une autre application qui fait aussi ça. Mais lui, je vois que dedans, il me donne une couche select test layer. Tu vois, donc il me permet de sélectionner quoi? Un ensemble de fichiers. Tu vois, donc la liste peut-être d'un certain nombre de clients. Et puis d'utiliser les mêmes clés que dont je parlais là, de OpenRoute Service là, pour lancer. Pour localiser un certain nombre de clients. C'est bon, ça répond maintenant à ta question. Hein? Oui, vous répondez à ma question, monsieur. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, effectivement, la question est très bien posée. Là, on a fait un exemple de 1. Si on a 100 000 clients pour une application qui permet de charger le fichier Excel, là, sur une personne localisation de plus de clients. Ici, il n'y a pas d'adressage, c'est à quelques couleurs. Ça veut dire que tu auras directement une base de clients où tu vas prendre leur truc. Donc, la question sur les tâches ne doit pas être posée parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'adressage, c'est juste qu'on ne peut pas géolocaliser les clients d'une autre vidéo. Pas tous les autres moyens de localiser les clients d'une autre vidéo. Moi, je suis dans le domaine de téléphone. On localise les clients par les infrastructures BTS qui sont là. Donc, dans le téléphone, c'est plus facile d'avoir une base de localisation. Quelqu'un qui a posé, il dit comment est-ce que le marché peut faire ici hier? Et nous, le supermarché crée des bases qui peuvent localiser. Donc, une entreprise qui est bon, elle doit avoir une manière d'avoir une information de localiser les clients. Des informations, de quel quartier vous êtes. Voilà. Et puis après, maintenant, tu ne peux pas faire du jour pour faire à partir de ça, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ces fichiers-là. Faire des croisements, on a comme maintenant, c'est les traitements de données que tu vas faire. Pour après, à la fin, avoir quoi? Une base localisée de technique. Ce qu'on disait, c'est qu'après, il y aura beaucoup de gens parce que les gens vont donner des informations de bande, de papier, de faciliter, quoi. Et des bases comme ça, qu'elle est à traiter. Et vont dire, de pouvoir traiter, le gars te met certains plans, l'autre te met certains plans, certains espaces. C'est tout un traitement du. C'est pas le point de savoir manipuler le petit Excel ou autre, mais un traitement de petit Excel que vous allez arriver à manipuler. Pour arriver à faire une journée après avec une base, un fichier cartographique. Donc imaginez que je n'ai que le nom des quartiers des gens. Et puis j'ai un fichier qui me donne un fichier cartographique sur les quartiers. Je n'ai qu'à utiliser le son pour de chaque quartier pour produire ça comme la localisation d'une. Je fais en quoi, en précision, je n'ai que le cas complet. C'est mieux que zéro.
Comment je sais où le client localise dans quel quartier? Ça me peut donner des détails. Donc, c'est juste avoir cette base de clientèle-là. Mais après, toutes les autres analyses, tu peux les faire. Bon. Mais tu n'auras peut-être pas la précision du point où le client se retrouve. Et tu peux affecter le client même. Si tu fais une analyse de façon communale, tu affectes le client une commune. Ton marché de commune, c'est vas-y, j'en viens de visiter, tu peux avoir du voir. Donc, il dit qu'il a bien, il a fait ses doudous. En fait, on permet d'avoir une base localisée pour faire une partie. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour analyser à la déchelle. Donc, pour les analyses à la petite échelle, ça sera très limitant. Tu parlais de chiffres. On peut localiser la demande des applications des applications. On ne fait pas. À défaut, on ne peut pas faire des bases de localisation. Il faut ça, après, il faut faire les plus forts dans le GPS là. Il faut revenir à faire tout ce qui est finalisation. Parce qu'un seul, on vient faire ça en fait. Quel est le coût de stationnement de bien voilà. Justement, le satellite, il y a vu qu'on ne peut pas localiser une seule personne à partir de ce satellite. Ouais, donc il faut faire de la finalisation à partir de trois satellites. La même chose. Il faut faire ça pour voir. Automatiquement, tu ne peux pas localiser. Par défaut, tu ne peux pas localiser un client juste parce qu'il a fait le point. Donc, ici, la peur étant, il ne voit pas qui arrive à faire cette localisation. C'est jamais précis pour appeler. Indiquez-vous les précisions. On ne le fait pas encore ici. Ce n'est pas mon expérience. Ok, c'est bon. Donc, ça. Ben vous comprenez un peu quand on parlait de Jokoda, c'est quoi? C'est ça que je voulais retenir dans cette partie-là. Donc, si c'est bon, sans transition, je voulais montrer ça dans ArcGIS. OK. Moi, mon outil, c'est ArcGIS Pro. Donc, ça me permet rapidement de vous expliquer un peu comment ArcGIS Pro fonctionne. Ça veut dire que vous avez vu ça. Qui n'a jamais vu cette interface de ArcGIS? C'est bon? Tout on a utilisé par curiosité. Ça, on a vu. Non, le reste, on a vu. Je dis, non, qui a vu? Lui, c'est lève la main. Donc, d'abord, on a l'impression que tout le monde a vu. Donc, vous voyez, l'interface, vous voyez, c'est différent. Je ne sais pas, c'est carrément beau, quoi. C'est différent de tout ce que vous avez vu dans ArcMap. Donc, là, quand je viens ici pour commencer, il faut que j'insère un fond de carte. C'est comme ça que le dossier fonctionne. Je vais insérer un fond de carte. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, on travaille beaucoup avec le fond de carte derrière. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le fond de carte. Donc, ils ont adapté ça à la manière de travailler aujourd'hui des géomaticiens. Moi, je travaille carrément sans ne pas avoir de fond de carte. Il faut que le fond de carte pour savoir où je suis, où ça se localise dans la bonne zone. Donc, il faut forcément un fond de carte. Donc, et on peut même, quand on crée les applications web là, on utilise le fond de carte derrière. C'est une manière de travailler. Donc là, j'ai inséré un fond de carte. Il a choisi un fond de carte par défaut qu'il me donne. Je peux le changer après. Et il m'a zoomé sur quoi? Sur la Côte d'Ivoire. Il a localisé le sujet. Peut-être que ça appuie sur mon analyse habituelle. Donc là, si je veux changer, je viens dans base map. Dans base map, je peux changer tout ce que j'ai là. Je peux mettre un truc. Le truc que j'aime bien là. Il est. Tac. Je prends un fond de carte de nu pour travailler. Comme un fond de carte gris. À moins de voir ce avec quoi je veux travailler. Le carte de nu est très bon quand on fait des analyses avec les types de réseaux routiers et autres. Ça va dégager tout ce qui est autre élément qui peut déranger l'analyse sur les routes. Donc, quand j'ai là, pour le faire, je sais qu'ils ont plusieurs applications. Donc, je viens de montrer l'interface. Donc, ici, map là permet de. Je voulais avoir ce snack map, c'est une map aussi, non, si je ne me trompe pas. Dans ArcMap, on a deux vues. Une vue sur la carte, bien une vue pour faire les cartes. C'est la même chose. On a un map comme c'est là par défaut. Maintenant, pour faire les quatre, il faut ajouter un truc pour faire les quatre. Donc, ça vient en anglais.
Donc, si j'ajoute une deuxième map, ici, ça pense que je n'ai pas ajouté beaucoup de vues. Je n'ai pas ajouté beaucoup de cartes. Dans ArcMap, vous êtes monopolisé. Quand tu fais un projet ArcGIS, c'est une C4 qui est derrière. Ici, tu peux faire un projet ArcGIS avec plusieurs cartes qui te dépendent dans le film. C'est ça la force de QGIS. Et QGIS, je fais assez de cartes. La même chose, c'est que assez de cartes aussi comme QGIS. Donc, quand j'ai ça pour ajouter des données, c'est ici, dans Map là, il y a Add Data. Ça permet d'ajouter les données, d'ajouter des coordonnées Y, d'ajouter des fichiers route, un certain nombre de fichiers que je peux ajouter. Donc là, quand je clique, quand j'ai une couche qui se trouve dans mon application, automatiquement, il y a des menus qui apparaissent comme dans Excel. Quand dans Excel, sur un tableau, il y a des menus, en fait, il y a des menus contextuels. Ça veut dire que pour chaque type de données que j'ai là, il y a un certain nombre de demandes que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est les raster, donc c'est les vecteurs. Donc, quand je fais ça, quand j'ouvre un raster, ici, là, je suis sur une couche raster, il me dit, voici, tout ce que je peux faire, c'est l'apparence. Si j'ajoute un fichier Excel, sur un fichier Excel, il va me dire, voici ce que tu peux faire sur le fichier Excel. Donc, il m'ouvre un certain nombre de menus et autres. Donc, ça évite de mettre plusieurs menus sur l'application et puis bon, ça ne sert pas. Après ça, il n'y a pas à connaître ici. Vous avez les mêmes éléments insert. Vous avez les éléments de ActoolBoss. Vous pouvez ajouter ActoolBoss. Donc, insert, c'était quoi? Je disais, on pourrait ajouter des maps, on pourrait ajouter des layers. Layers, c'est pour faire des cartes. Je prends une carte là. Ouais, j'ajoute une première carte. Ajoute-moi une autre carte. Donc, je peux faire assez de cartes. Comme si j'étais sur QGIS. Des jeux processing là que je pense que j'ai inséré. OK. L'analyse, les toolbox là. Donc, je clique sur toolbox, ça s'insère là. Et puis, j'appelle tout ce qui est. Là, je vais faire du géocodage, je vais dans géocode. Il y a un certain nombre d'applications que je peux utiliser pour faire du géocodage, géocoding file, qui me permet d'utiliser un fichier que j'importe, une table ou un input table que j'importe pour faire tout ce qui est géocodage. Donc, pour faire ça, c'est pour utiliser le fichier, pour faire ce qu'on a. On a vu tout à l'heure là. Je vais saisir juste une adresse de recherche coordinate. Dans recherche, là, je peux juste lancer. Je lance à voir. Tu vas lui donner une fonction de recherche comme dans Google là. Pour rechercher. Un élément. Donc, vous voyez, il m'a donné toutes les positions possibles sur l'adresse que j'ai recherchée, sur le A qui m'intéresse. 303 Street, il dit Atlanta, Georgia, 303038. Et Penn Street. Donc, il a localisé les points, il m'a dit voici des adresses qui se ressemblent, sur la recherche que j'ai faite et autres, à moins de connaître mon adresse et puis je retrouve. Donc, vous voyez, lui, ça fait partie d'une fonction de recherche rapide. Si je veux ajouter des fichiers, je vais dans le file là, puis j'ajoute une table d'adressage et autres. Donc, le jour où on aura des adressages, ça sera facile pour nous. Ils seront donc obligés d'intégrer une base d'adressage de la Côte d'Ivoire qui permet de partir de l'adresse de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est le projet d'adressage qui peut permettre de faire ce type d'analyse-là. Donc, c'était juste montrer ça dans ArcGIS. Tout ce que j'ai fait comme truc sur mail là. Comme c'est une nouvelle version, apprenez aussi à connaître un peu. Hein. Donc, moi, ça, j'aime utiliser ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire dans ArcMap qu'ils ont ajouté ici. En termes d'analyse et autres. Oui. ArcGIS. Quoi? ArcMap, c'est payant, bien c'est pas payant.
C'est la même chose. C'est la même chose. Peux pas dire quoi? Le logiciel. Mais je pense que vos anciens m'avaient donné un cas qui $100, je pense. Il y a une version étudiante, une version. Je veux juste découvrir tes étudiants avec ton élément. Fais la version. Et c'est lié à une version en ligne. Une version en ligne qui est derrière. Il y a une fois qui est derrière ça. Donc la version en ligne, c'est un dashboard. Après, j'ai réussi à la version en ligne pour que vous puissiez voir toutes les fonctionnalités que j'ai sur la version en ligne. Très intéressant. Donc, ils ont essayé de. Je pense que dans quelques années, ils vont arrêter le hack map là. Donc, toi, c'est bon. Quand on rentrait comme ça, après la géomatique, nos doigts qui étaient là, ils utilisaient. On a fait l'ancienne version de la 10. Comme Excel, ça a plusieurs fonctionnalités. Une des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, moi, qui m'intéresse vraiment, c'est que dans vos outils, de cartographie ou autre, on arrive à manipuler la donnée géographique, mais quand on manipule la table, même pour sortir du logiciel carrément, ça donnerait beaucoup pour les applications. Ils ont un code qu'ils appellent quand je ne suis pas trompé. C'est DAX. Ils ont un code qu'ils ont intégré à ça qui permet de travailler sur les tables en vitesse. Comme les formules que on met dans Excel là. C'est la même chose. Alors que le type de tables en vitesse, c'est quand il met une formule, il calcule quelque chose, c'est figé. Et même quand je reviens, il doit répondre à zéro. Ouais. Imaginez que je veux calculer la densité de la population. La densité, c'est quoi? C'est la population sur la superficie. Si je fais ça dans un guide, c'est plus. Une fois les calculs, c'est plus. Si j'utilise le langage pour le faire, si demain, ils changent la population, la formule, le calcul change, la densité change. Donc, ça devient dynamique. C'est simple, c'est ce qui fait qu'on utilise l'excès de haut. Parce que ça change, si j'ai changé une valeur, la formule, ça applique. Une nouvelle valeur. Ils ont ajouté à ça, ça fait que ça devient bien intéressant d'utiliser ça pour faire une analyse de données aussi. Donc, pour les géomaticiens, ça permet de faire à peu près beaucoup de choses dans l'analyse au lieu d'aller forcément dans un outil d'analyse de données ou autre. Oui? Je fais du DAX, je sais que ce n'est pas DAX, voyez, monsieur. DAX, c'est le langage de Power BI. Ça, c'est un autre truc encore. Je trouve rapidement, ils appellent ça langage ACAD, c'est ça. Ils appellent ça ACAD. Ah non, c'est l'expression ACAD. Donc,
quand on veut faire des calculs dans l'addition entre Python et autres, on peut utiliser A4 pour faire les trucs de expressions, quoi. On peut faire les requêtes là dans l'addition Python et autres. SQL, on peut utiliser A4 pour faire ces différentes requêtes. C'est A4 est très intéressant à manipuler. Donc, je teste ça, la partie géocodage. Donc, il y a des applications quoi, qui existent dans les logiciels de cartographie autres pour le faire. Il y a des logiciels spécialisés de géomarketing, c'est une fonctionnalité obligatoire. Avoir des trucs où vraiment on cherche un peu dans ArcGIS et autres. Dans le logiciel de géomarketing, c'est obligatoire d'avoir ça pour pouvoir localiser tous les clients. Après ça, je voulais qu'on regarde un élément sur ce qu'on va faire maintenant, c'est que justement ce qui est manipulé. Désolé. Je vais tester juste la partie géocodage pour voir comment manipuler ce qui ça. Vous voyez ce que ça donne. Il est là-bas, il ne marche pas sur moi. Donc, il y a un petit peu d'intérêt. Juste pour faire ce petit truc-là, on va avoir des résultats. Donc, quand je regarde tout ce que j'ai mis ici, là, si on l'a fait ensemble, là, tout ce qu'il a mis dans le sommet ici, là, si on l'a fait ensemble, je suis sûr que si tu as ajouté ton travail, peut-être. C'est maintenant qu'on va commencer peut-être vers la quatrième partie. Ouais, non. Donc, ce que je vais faire, c'est moi maintenant, je vais partir de toutes les données de la plateforme pour suivre sur les questions posées aux autres. Je vais monter les différentes analyses qu'on peut faire dans le logiciel. Comme c'est enregistré, vous pourriez à part regarder les différentes. Vous pouvez faire exactement. C'est pas le principe est bon. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle la sectorisation. C'était quoi déjà la sectorisation? Et le fait de... Vraiment découper l'espace en différentes zones. Affecter différentes informations. Cette zone-là. Donc, ici, je mets quoi? Une entreprise de cosmétiques soit divisée les territoires. Une entreprise de cosmétiques arrive en Côte d'Ivoire. Il y a un produit qui veut vendre. Une entreprise de cosmétiques, vous connaissez. Et en Côte d'Ivoire, ils ont des conventions sur le terrain. Ils vendent les produits en Côte d'Ivoire. Ils veulent, ils ont 10 zones, ils veulent créer 10 zones commerciales. Où ils ont un certain nombre de commerciaux qui affectent la vente. Ils utilisent là-bas et ils gèrent toute la zone. Donc, et ils veulent qu'on fasse le découpage là en s'appuyant sur quoi? Sur la population féminine de 50 à 29 ans. Ils disent c'est notre signe qui est là, cette population, notre produit là, c'est celui-là. Donc, un mois, 10 zones, depuis la Côte d'Ivoire, 10 zones, où tu essaies d'équilibrer. Non. Mais à partir de données de sous-préfecture, de la répartition de la population, établissez la limite de ces 10 secteurs. Il demande d'utiliser. Bon, ça, c'est le truc qui est donné. Il demande d'utiliser cette population. Il faut décrire 10 zones où. Il a dit ça, il y aura une population de femmes derrière. Une population de femmes qui est à 50 ans. C'est bon, on remonte. Ok, comment on va faire ça? On va prendre une base statistique de population. Cette base-là, par la population féminine et masculine. Et puis on aura la population divisée par tranche d'âge. Ce qu'on m'a donné. Parce que je suis sûr que c'est une information. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la population de vers, on sort féminine de vers. Si vous avez un tel fichier, comment est-ce que vous faites? Je vous présente le fichier. Je vous présente le fichier qui est là. Population statistique 2019, je pense qu'il y a plus à suivre. Ok. Donc ça. Mis en zone, ce qui peut nous intéresser. Ok, donc, voilà ici, on essaie de comprendre le fichier qu'on a. Donc, dans ce fichier-là,
On a, c'est la source de sur le fichier 3. Hein. 3. On a OK, le nom du pays en anglais, en français, le code, la région, admin 1, qui est la région. On a le département. Et puis admin 3, dans la sous-préfecture. Oui. OK. OK, voici admin 3, plutôt dans la sous-préfecture. Donc. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la population de femmes, population masculine, population totale. Et puis, on a la population totale par âge. De 0 à 4 ans jusqu'à 80 ans et plus. Et voici ce qu'on nous demande de prendre, c'est la population de 20 à 59. OK. Donc, voici les données qu'on a. Population de femmes masculines, population totale et puis la population par tranche d'âge. Maintenant, on vous demande de faire votre sectorisation. Nous appuyons cela pour faire la, ma question c'est, et puis ça qui a deux points? C'est quoi? C'est à qui a deux points hier là? C'est qui? Et après, maintenant, son nom, je vais noter. Je veux que quelqu'un me dise comment est-ce qu'il fait pour la sorte de l'univers à secondaire. On a un tel fichier. Je le sais bien. Monsieur, vous dites. La question c'est, j'ai une population, j'ai un fichier Excel dans la population de femmes, la population masculine, la population totale. Et puis j'ai la population totale de 20 à 59 ans, à tranche d'âge. Je n'ai pas de 20 à 59 ans, mais j'ai la population par tranche d'âge de 0 à 4, de 5 à 9, de 10 à 14, de 15 à 9, ainsi de suite, jusqu'à 80 ans et plus. Maintenant, ma question. Ma question c'est, je vais commencer par lui, même si l'autre a levé la question, je vais commencer par lui. La question c'est, comment est-ce que vous faites pour obtenir la population féminine de 20 à 59 ans? C'est bon, vous avez compris en ligne? Je les mets ici, si vous voulez interagir, si vous levez vos mains. Monsieur? Oui, tu veux répondre? Oui, je veux répondre, monsieur. Avec. Tu... Attends là-bas, quelqu'un qui a la main. Ok. Je pose, il y a deux personnes que je pose, et puis tu seras le troisième à répondre à la question. D'accord, monsieur. Et comme ça, on va dire. J'ai quoi ton nom d'abord? C'est HHD. Vas-y, ok. Monsieur, on peut d'abord faire sur Excel, on peut faire une sélection pour demander. La méthode que je veux pas, je veux le faire d'abord. C'est quoi la méthode? Tu peux faire quoi? Si je veux faire une sélection, je vais dire sélectionner dans le travail de femme, là où pas, je vais écrire. Tu peux la commencer? Non, on va pas manger. À 59 ans. Tu fais la commande, ce que je dis, c'est quoi les étapes? Faire une sélection. Okay. Pour moi, je ne connais pas sur Excel, mais je ne fais pas. Ok, tu vas faire par moi. Donc, par exemple, comment je peux utiliser le faire? Qui ont appelé fondat faire une sélection. C'est-à-dire sélectionner la chance de femmes là où âge et tout ça là. Comment est-ce que tu veux? Donc, toi, tu dis que tu prends comme pour chaque localité, dans pour chaque localité, ils ont donné la population de femmes. Masculin, puis on est différents âges. Quand tu as sélectionné, ou est-ce que tu as femme égale à. C'est du mal à. Quand tu as femme, âge, c'est difficile, mais je vais te dire, parce qu'il y a femme partout. Il y a femme partout, il y a 20 secondaires partout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux sélectionner aujourd'hui. Tu as ça. Yeah. Dans chaque ligne ici, on te dit voici une femme, un homme de femme, un homme. Donc, quand tu dis que tu as même sélectionné, ou femme égale à. Mais tout, ça, tu as sélectionné tout. Toi, quand tu as sélectionné les lignes, et ça va te sélectionner tout, parce que partout, il y a une valeur de femme. Et puis, il y a une valeur de 20 à 59 ans.
Non, c'est faux. Je vais attendre la première question. Ok. La première, c'est les effets sur Excel déjà. Les cellules, les tranches où il y a pas de 20 jusqu'à 59, par exemple, de 20 à 24, si les jusqu'à 59, c'est égal. Je prends la première chose. Je ne peux pas montrer comment tu fais cet Excel. Dis-moi comment tu fais. D'abord, ça dépend de l'addition de toutes les parties de 20 à 59. 24, de 20 jusqu'à 59. Ok. D'accord. La deuxième méthode, c'est de faire une requête. Des parties où il y a une requête de la population féminine de 20 jusqu'à 54. C'est-à-dire de 20 à 54 plus de 20 à baisser jusqu'à là. Monsieur. Monsieur, sur Excel, il y a une. On peut faire une requête. C'est mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Et puis, on fait règle de mise en surbrillance des cellules. On fait. Et puis, les l'âge que vous avez demandé. On n'a pas compris ce que c'est. Monsieur, vous avez demandé l'âge, vous avez donné l'âge des femmes. Je dis que. Non, mais écoutez. Si vous écoutez, vous allez comprendre. Si vous n'écoutez pas, vous allez faire erreur. Je dis que j'ai une base là de sous-préfecture. Pour chaque sous-préfecture, j'ai le nombre de femmes à l'intérieur, j'ai le nombre d'hommes, j'ai le nombre total. Et puis pour chaque sous-préfecture, j'ai quoi? La population découpée, je vois, le patente d'âge. Oui, non. Après, ça permet de calculer. Une pyramide des âges même. Et puis à la fin, ce que je veux, c'est que pour chaque sous-préfecture, je veux pouvoir avoir la population de femmes qui sont entre 20 et 59 ans. Ça va être tel fichier. Bon, à mon avis, on peut travailler une liste. Ça va cliquer. Ça va. On peut sélectionner de nous montrer. On a la chaîne OK. On fait sortir effectivement la chaîne sous-préfecture. Parce que ce qui comprend les femmes, uniquement pour les femmes, qui est compris entre les 20 et 59 ans. C'est faux. Monsieur, on va la voir ici. C'est d'abord par si on veut d'abord chercher le nombre de femmes par département, on va déjà essayer de soustraire le nombre d'hommes. On sait que au niveau des âges, c'est compris hommes et femmes là-dedans. Okay. Donc, il faut faire d'abord une addition. Les âges. Okay. Il faut que tu fasses l'addition. Les âges sont à la tranche d'âge. Pas de bateau, pas de. De 0 à 4 ans, c'est qu'il y a mis en jeu dans la okay. Donc, je fais addition de 20 à 59. Ok, maintenant, tu soustrais le nombre d'hommes là-dedans. Et on va trouver ce qu'il y a pas de l'hôpital là-dedans. Le nombre d'hommes total. Le nombre d'hommes total de 20 à 59. Et puis toi, tu prends, lorsque tu as donné le nombre de femmes de l'homme, c'est pour lui, il y a beaucoup qui pensent aux géographies, pour ne pas statistiques. C'est pourquoi il y a tous les problèmes. Je ne sais pas d'hommes, il est ok, toi. Entre 20 et 59, on a le nombre total de population. Entre 20 et 59, normalement, le total, c'est la seule bonne réponse que tu vas donner. Total entre 0 et 59. D'accord. Maintenant, après, tu vas voir. Mais ça, on va faire le total de 0 et 19. Oui, pour avoir quoi?
pour pouvoir soustraire. Selon moi, on a déjà la population femme-homme. Ok. On additionne. On a la population totale qui est la population homme-femme de 0 à 59 ans. Ok. On additionne. Ok. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'il y a combien de femmes et d'hommes de 0 à 59 ans et on considère dans la population totale. Et on soutient les hommes dans, dans cette tranche-là pour trouver les femmes. Quand tu fais total de tout, c'est la population totale de 0 à 59 ans. Donc, si tu as tout, tu sais que ici, voici tous ceux qui ont 0 à 59 ans, il y a femmes et puis il y a hommes dedans. Les femmes plus hommes. Donc, tu ne veux pas venir soustraire que les hommes dedans et puis tu as dit que tu es rien pour les femmes. Le dernier est en train. C'est faux. Ceux qui sont en ligne, vous voyez le tableau, non? Non, vous n'avez pas trouvé. On va essayer qu'à rentrer. Aline, il y a eu une deuxième main. C'est bon, il est parti. Il a baissé, hein, qu'elle a vu que c'était chaud. D'accord, non, suivez. S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas trouvé, parce que vous, dans vous pensez même que ce n'est pas bon déjà. Je vois que vous pensez très mal. Qui vient de parler tout à l'heure? Vous n'avez pas su. Il avait fallu me donner une bonne réponse, mais bon, on dirait que c'est bizarre. Donc, je vous montre. Ah, mais ici, je ne sais pas comment on fait pour que tout le monde puisse voir. Le truc me fatigue. Hein. Mais je veux qu'il grossisse. Vous voyez, essayez tout le monde voir. Et vous voir, mais vous. Vous, c'est où, vous voyez. Vous voyez mon tableau, tu vois. Ah, mais si vous voulez mettre ça. Je veux agrandir la vidéo seule, mais comme quand il y a tout le monde, je vous vois. Mais dès que tout le monde se déconnecte, la vidéo c'est que ça affiche. C'est un peu. Attends, faut épingler là. Quand tu épingles, c'est quoi? Je vais zoomer sur ce que je vais écrire. Tu vois, non, mais ça fait comme ça. Ce que je veux. Mais c'est vrai, c'est ça. Tu dois cliquer sur lui d'abord. C'est déjà cliqué. Non, ah, mais ça n'a même pas. Oui, oui. En fait, tu as la parole. Non, pas ce que tu as fait là. Oui, ah, okay. Non. Ok. C'est un peu bon. Peut-être la grandir, on peut pas tirer le bout là. Essaye de tirer le bout là. L'écran est partagé. C'est qu'on arrête le partage. Mais ils vont plus voir les autres. C'est pas grave.
Parce que c'est pour voir s'il y a des gens qui ne voient pas. Donc, la première des choses que j'ai, le truc, c'est que j'ai la population de femmes, la population d'hommes, et puis j'ai la population totale. Et je fais la première des choses, c'est que je fais le total. Hein, je fais le total. Total de la tranche d'âge de 20 à 59. On a pas avec ça. Total de 20 à 59. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai la population totale de 20 à 59 ans. Ici, j'ai hommes et femmes complets. Donc, je dois retirer qui? Les hommes, je vais garder les femmes, mais je dois retirer les femmes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je vais la faire. La vie qui a dit ça, c'est bon. La deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder quand je prends la population de chaque. De chaque localité, là. C'est quoi la proportion de femmes à l'intérieur? Ça revient à faire quoi? À faire le nombre de femmes divisé par le nombre total. Ça me donne combien? Le pourcentage de femmes. Et c'est ce pourcentage qui va appliquer au total de 20 à 59. Ça me permet d'avoir quoi? Parmi les 20 à 59, hein, la proportion de femmes. Donc, deuxième étape, je cherche le pourcentage de femmes dans la zone. Et puis, en troisième étape, j'applique ce taux-là à ce taux qui est ici. J'applique le pourcentage de femmes que j'ai là, dans un total de 20 à 59 ans. Et puis, là, maintenant, j'ai la population féminine de 20 à 59 ans. Et c'était compliqué. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Ça va compris. Je vais compris. Au niveau du pourcentage, c'est une moyenne. Je dis que c'est pas la valeur exacte. C'est pas la valeur exacte. Ça va avec ça. Mais si tu veux, si tu portes statistique, tu ne penses pas trop statistique pour toi. Tu n'as pas la valeur exacte. Et tu cherches la valeur qui se rapproche le plus. Donc, c'est la tête, tu vois, c'est comme une donnée. Tu vois, jamais l'information exacte. Tu peux toujours chercher comment se faire favorable. Comme je l'ai dit dans les théories, là, avec des hypothèses, tu vois, c'est les hypothèses que je dis que par même les partitions que tu as, que dans le total, tu as le même pourcentage. La seule information, c'est pas de l'autre. C'est bon? Ok, donc ça, on fait ça dans Excel rapidement. Je pense pas que si on veut faire l'inclusion, on va s'en sortir. Donc, ici, dans Excel, qu'est-ce qu'on fait ici? Comme l'autre l'a dit, je calcule quoi? Le pourcentage, le total de 20 à 59 ans. OK? Donc, qu'est-ce que je fais là? Je fais juste une somme. C'est bon? OK, puis je sélectionne ça, cette tranche-là. Parenthèse, je ferme. C'est bon, vous savez faire la formule comme ça, non? OK. Donc ça, j'ai 20 à 59 ans ici. Après, je vais chercher quoi, le taux, le pourcentage de femmes dans la population totale. Ça consiste à faire quoi? À faire un ratio de femmes sur le total. Ça me donne quoi? 50%, 53%, 50% ici. Et après, le troisième calcul, c'est quoi? D'avoir maintenant le pourcentage maintenant, d'avoir maintenant le total de femmes. Je ne sais pas comment j'ai vu, j'ai mis TT, FM, FEM, 50, 20. 59. C'est 59, non? Oui, c'est 59. C'est 20, 59.
1,59 comme ça. Donc, pour ça, c'est juste appliqué. On peut mettre ça dans un formulaire. En fait, je fais ça juste pour faire la démonstration. Après, c'est de faire les formules à tous les temps. On le fait ça en 4 étapes, on le fait ça en 1 étape, et c'est bon. Okay. Ici, il ne m'intéresse pas. Ok, donc, le total de femmes de 20 à 59 ans que j'ai ici. C'est bon, on a compris? Je n'ai pas arrondi, bon, ce n'est pas nécessaire autant. Je n'ai pas, j'ai appliqué un arrondissement ici. Donc, j'ai demandé de faire un arrondissement. On a rendu au cas 0 même. Ok. Donc, j'arrondis. Ok, donc ça me donne la valeur arrondie. C'est bon? J'ai un dièse, j'arrive pas. Où il est? Je suis très déçu. Ok, donc si je filtre. Ok, donc j'ai ça, j'ai une zone. Ça, c'est quelle zone ça? Je sais automatiquement de quelle zone ça s'agit. Voilà, il y a un pack, forcément. Un pack qui peut se trouver dans la limite de la différente limite de pack de. Pas du Banco, non, pas du Banco. Tani, non. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Donc, c'est ce fichier-là que je vais utiliser pour faire mon travail. Donc, vous voyez que là, je ne fais que faire de l'analyse du traitement de données. En réalité, c'est ça. On ne commence pas directement à faire de l'analyse. On vous donne toujours un problème. Et puis, vous avez des données là, à vous maintenant de trouver. Comment est-ce que vous traitez l'information pour avoir ce que vous recherchez? Donc, j'enregistre ça comme population. C'est bon, on a suivi. Hein? Ok, féminine. Il y a quoi? Thérapie. Mais j'ai expliqué. Thérapie. Tu veux dire quoi? Vous dites que tu veux dire. Hein? Il a compris le truc. Donc, j'ai un problème d'Excel maintenant. Ok, donc, dans Excel, rapidement, on va essayer. Ici, j'ai fait somme. Et puis, je sélectionne tout ce que je veux sommer. Ouais. Donc, somme de. En fait, nos calculs sont ces lignes et puis on va appliquer pour toutes les lignes. Donc, on fait somme de R3 jusqu'à Y3. Donc, je fais la somme de tout cela. Je fais entrer. Quand c'est bon. Je viens faire quoi? C'est pourquoi j'ai fait en plusieurs formules. Sinon, si je faisais une autre formule, ça serait compliqué pour vous. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire la proportion de femmes. Ça arrive à faire quoi? À diviser juste la population de femmes par le total. C'est clair, non? Ok. Il faut entrer. C'est la petite formule. On n'a rien fait encore. Et puis là, maintenant, ici, j'ai fait quoi? J'ai fait A, qui est là. Le pourcentage là, multiplié par le total de 20 à 59. C'est clair. Maintenant, j'ai fait un arrondissement parce que la population n'est pas. Il n'y a pas de virgule dedans. J'ai fait juste un arrondissement pour avoir une valeur absolue, c'est tout. C'est bon? Ok. Quand on fait pour appliquer à tout, tu viens là, quand tu te mets là, tu te mets juste au bout là, cette croix-là, tu fais double clic, il s'en va au bien titi pour aller. Comme c'est long, si je veux tirer pour aller, je vais rester là. Bon, ça, c'est un fichier qui est tout, mais souvent, tu as des fichiers qui sont un peu plus longs, de 500 000 lignes. Tu te mets à tirer instant vers la fin. Tu peux faire 3 minutes, là, tu as mal au doigt. Donc, tu fais double clic et puis copie la formule jusqu'à la fin. C'est tout. C'est bon? OK. Donc, maintenant, je viens dans le fichier, dans ArcGIS, là. Et puis, je vais appeler dans
map, add, map, add data. Je vais appeler mon fichier de sous-préfecture. OK, donc lui, il n'a pas le fichier par défaut. Avant, on ne pouvait pas manipuler. Quand on appelle un fichier dans ActDIS, là, si, tant qu'il ne l'a pas connecté, là, c'est difficile de trucs. Là, maintenant, je n'ai pas bien collecté parce qu'il fonctionne comme je suis dans. Je copie juste l'entête, puis je change, c'est tout. On y reconnaît. Donc, je prends mon fichier Excel. Bon, j'appelle mon fichier Excel d'abord. Quand c'est bon, j'appelle maintenant mon fichier, mon chef file, dans le même dossier. Le chef file qui est là. Donc, c'est ce que j'ai. C'est bon? Je vais donc passer l'information que j'ai là sur le. En fait, une jointure simple, ça. Vous connaissez ça. Donc, pour faire jointure, c'est clic droit. Vous avez toutes les propriétés ici. On choisit join and relate. Donc, je fais ajouter une jointure. Il reconnaît mon fichier que j'ai appelé là. Il reconnaît mon fichier Excel. Maintenant, j'ai cherché dans ce fichier cartographique là. C'est quoi la clé de jointure? Une jointure a toujours besoin d'une clé. Je prends mon admin 23 là. Admin 3 FR là. Je vérifie hein, dans mon fichier Excel si c'était ça. OK. C'était admin FR 3. OK, c'est ça. Donc, je vais admin FR 3. Il a reconnu ça automatiquement dans l'autre fichier. Ici, j'ai un élément pour voir si toutes les jointures vont se faire. Je fais valid joint. Il me fait une jointure. Je me donne le résultat de la jointure. Qu'est-ce que ça va donner avant que je ne lance? Donc, ça permet de voir s'il y a des erreurs, je peux corriger automatiquement. Donc là, je dis, il me dit que il a fait une jointure one-to-one. Et il a pu matcher 344 records. Donc, il me dit sur les 510 de la table. OK. Donc, il me dit là, il a pu matcher 344. Alors que je pense que j'ai. Les 510 fichiers, donc c'est faux. Donc, j'ai pu utiliser le nom. Je pense qu'il y a un problème sur le nom là. Il y a plutôt un code à l'intérieur que je peux utiliser. Le code là, ADM3P code. Ouais. Sur le nom, il y a des noms qui se. Il y a des doublons de noms. Donc, je réfère la même chose en prenant ça. Puis, je valide ma jointure. Ouais, il dit j'ai pu faire 510. Ça m'invite d'aller faire pour voir le résultat, tout, j'anticipe ici. Donc, c'est bon, il a pu matcher les 510. Il fait OK, et puis il lance la jointure. Quand j'ouvre la table attributaire, je viens faire clic droit, attribute table. Il ouvre ma table attributaire là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ma jointure qui est faite. On regarde, hein. Je pense que tout le monde est joint ici. Voici l'information que je cherchais qui est là. Le nul, le seul nul, c'est pour le pack. Effectivement, il n'y a pas de population dans le pack, donc c'est bon. Donc tout est bon, il n'y a pas de nul dedans, tout est OK. Donc c'est ce fichier-là que je vais utiliser donc, pour faire ma sectorisation. Donc là, ce qu'on me demande ici, c'est de faire une sectorisation avec. Sur cette population-là, en utilisant l'outil pour le faire dans ArcGIS, c'est un outil équilibrer les zones. Ça se dit dans statistiques spatiales de ArcGIS. Donc, je viens dans l'outil de géotraitement de ArcGIS. Et là, donc, c'est la, le toolbox que j'ai là. Et puis, je sais statistiques spatiales, spatial statistique tool. Il y a le même, je le trouve ici dans ce qu'on appelle territory design. Mais ici, c'est lorsque j'ai le plugin de business analyst pour faire du géomarketing que j'ai accès à ça. Donc, j'ai pas ça. Mais grâce à Dieu, j'ai dit grâce à Dieu, ils ont mis la même fonction que j'ai utilisée pour faire ça dans un, dans l'outil de statistiques spatiales. Donc, on n'a pas ça dans ArcMap. Ouais, non, mais dans ArcGIS, on a cet outil-là. Donc, ça veut dire que quand j'ai ArcMap, je ne peux pas faire ça. Ouais. Donc, je vais dans statistiques spatiales là.
mapping cluster, créer des clusters. Là. C'est bon, c'est comme c'est une forme de cluster, c'est des groupes. Donc, le clustering en statistique, c'est une façon de créer des catégories. Voilà. En fait, la segmentation est haute, c'est une forme de clustering. Donc, je prends l'outil build balancing zone. C'est lui-là qui a équilibré les zones. Build balancing zone. Donc, c'est cet outil-là qui va me permettre de faire ça. Donc, ça se trouve dans statistiques spatiales de Hadis Pro. Build balancing zone. Ou en français, équilibrer les zones. Donc, c'est lui qu'on va utiliser pour faire. J'attends qu'il s'ouvre. Je vais me connecter en ligne même voir. Est-ce que. Donc, on attend que ça charge. Oui, vas-y. Là, il n'est pas connecté. On peut l'utiliser en ligne. Mais normalement, on peut le connecter aussi. Il permet d'avoir un compte quand je vais parler du création du compte que j'ai là. C'est un compte online, c'est un juste online que j'ai. Donc ça me permet de connecter directement l'application en ligne et autres. Ou c'est pas obligé de connecter peu, mais les paramètres, lui demande de travailler hors ligne. Donc là, il travaille hors ligne. Il ne s'est pas connecté. Ils ont mis nos signes initiés, mais si je me connecte en ce moment, il pourra se connecter en ligne. Je pense que ce n'est pas bien ça. Elle demande à elle-même un compte et autres. Donc, voici les paramètres de l'application. Ça permet de faire de grandes choses, les gars. Je ferme chacun. Il y a la partie paramètres. Dans les paramètres, là, il y a l'environnement. Ça, c'est par défaut, on peut laisser. Input feature. Donc, je vais faire mon traitement sur le fichier cartographique qui est là. Donc, c'est lui qui passe en input. C'est bon. Output, c'est le résultat qui va me donner. Ça va venir là. Ma sortie. Attribute target. Il me dit, il y a trois méthodes de création de zones. Il me montre les trois méthodes. Donc, est-ce que je vais voir si... Je vais aller vous expliquer les trois méthodes. Mais j'ai allé dans l'outil d'aide. Le logiciel, là, dans les aides, donc on ne se fatigue pas à la tâche. Il va me traduire ça en français en anglais. Attends. OK. Donc, en français, on appelle générer la zone équilibrée. Où est-ce qu'il y a la partie méthode? Ce que je cherche. Ici, il montre l'application, le fonctionnement de l'application, c'est ici. OK, donc c'est les trois là. Les zones, les méthodes de création des zones. Il y a la méthode attribute target, qui est la cible d'attribut. Chaque zone comportera à peu près la même zone totale d'un attribut. Ici, ça indique que quoi? J'ai toute la population totale. Si on calcule la population totale qu'on a dans notre fichier ici. On vient là, dans notre fichier, c'est ce fichier-là. En totalité, il y en a combien comme population? On a 5 millions. Je peux lui dire, crée-moi des zones de... Je peux lui dire, crée-moi des zones de 1 million. Donc, il va agréger la population en ayant différentes zones où le total de population fait 1 million. Ouais, non. Donc, je n'ai pas avoir cette problématique avec 1 million. La problématique dont je parlais pour dire comment on voyait, j'ai un patron qui m'a envoyé une problématique. Il me demande de faire ça, un travail comme ça avec la population totale et puis d'avoir des zones où j'agrège les sous-préfectures pour atteindre 50 000 personnes. C'est ce qu'il me demande. Ça, c'est facile. Tu peux faire ça. Sauf que ce qu'il me demande, c'est que je dois agréger la population de telle sorte qu'elle reste dans une même région. Donc, je ne veux pas agréger deux sous-préfectures de différentes régions. C'est là que ça devient compliqué pour moi. Où tu voulais m'aider là? Je n'ai pas retrouvé la solution. Je n'ai pas retrouvé la solution de ça. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Ouais, non, donc c'est une problématique un peu difficile à gérer. Donc, ici, si je sais que je vais créer des groupes, mais
c'est quoi la cible des groupes? En ce moment, j'utilise ça. Je donne une cible ici. Donc, imaginez que je dis, non, que je vais créer. On va utiliser ça pour que vous puissiez voir. Je vais créer pour un premier groupe. J'explique les trois groupes. On va utiliser chacun pour voir. Donc, premier groupe, je connais le nombre que je veux totalement. Et puis, je demande de créer tes groupes en fonction du nombre. Deuxième groupe, il dit que Fou me dit, définis le nombre de zones. Il te dit, tu veux combien de zones? Ouais. Et comme c'est quand on m'a dit, ça m'a demandé de créer 10 zones. Donc, je sais qu'il veut 10 zones. OK. Et puis, troisième élément, il dit, faut dire le nombre de zones. Et puis, la population, bien l'élément que tu veux à l'intérieur, tu veux combien comme information, comme cible, attribut cible. Donc, ça veut dire que je veux créer peut-être 10 000, 10 zones. Et puis, les 10 zones-là, il y a combien? La population doit être de combien dans chaque zone? Au moins, l'équilibre que je veux, là, c'est combien les gens? Vous comprenez, c'est une combinaison des deux. Donc, vous l'utilisez ici, on va tester chacun. Normalement, je viens de voir ici qu'il y a 5 millions de... Dans mon fichier Excel, il y a combien? Il y a 5 millions de femmes. Pour créer 10 zones, il me faut créer combien de... Combien? Si je veux créer 10 zones, je fais mathématiques. Pour que je puisse étudier l'attribut de truc là, il va me créer 10 zones quand même. Donc, je dis que il faut quoi? 500 000. Donc, je divise juste à la population totale par... Par combien? 10, non? OK. Donc, je prends ça. OK. Donc, là, j'ai combien? Comment en tout cas? J'ai 5 millions. Non? Qu'est-ce que ça va marcher? Ah, j'ai fait somme simplement. Divisé maintenant par 10. Donc, c'est au moins 520 000 comme population. Donc, ici, j'ai utilisé les 520 000 là pour dire à l'application quel monde des groupes de 520 000. C'est une manière de créer 10 zones aussi. Hein. Mais je pense que ça va être compliqué parce que il y a au moins un quart de la population qui se trouve à Abidjan. C'est Abidjan qui est mon vrai problème sur ce type d'analyse. C'est que Abidjan seul là, il prend 1 million. Bon, on essaie de voir. Donc ici, je lui donne comme cible. Il dit c'est quoi la variable que tu veux utiliser? C'est la population de 20 à 59 ans que j'utilise. OK. Quel est le poids? Le poids, c'est... Bon. Ça, si je veux utiliser plusieurs variables, je lui dis quoi? La somme, c'est 500 000, comme tu l'as dit. 500 000. Mais je mets un poids ici pour... Le poids, ça veut dire que je peux utiliser plusieurs variables à la fois. Je peux dire, trouve-moi la population totale même, et puis tu me trouves la population de femmes, tu me trouves la population d'eau. Je peux mettre plusieurs variables. Donc, je lui dis, parmi les variables, voici les variables qui sont les plus importantes. Donc, j'essaie d'équilibrer toutes les variables à l'intérieur. Et là, spatial contrainte. C'est ici, les zones qu'il va créer là. Quelle est la contrainte spatiale qu'il doit respecter? Là, c'est mis contigu, edge and corner. Donc, ça veut dire qu'il va créer des zones contiguës en s'appuyant sur la topologie. Donc, il prend une zone ici, regarde, pour telle zone, quelles sont les zones qui sont les plus proches? C'est là qu'il peut les additionner pour créer des groupes. Donc, c'est cette variable, c'est une contrainte spatiale qu'il faut ajouter. Triangulation de Delaunay, j'ai parlé de ça hier ici. J'utilise cette méthode aussi pour faire. Get spatial form. Il utilise un autre fichier que je peux utiliser pour faire cette contrainte-là. Également, hier, je vous ai dit que quand je fais ça, je ne tiens pas compte de la circulation routière. Ouais, non. Donc, il permet que tu puisses utiliser ça ici. En ce moment, j'ai généré un fichier de contrainte spatiale. Et puis, je vais rentrer le fichier ici. Donc là, je n'ai pas besoin, je prends juste ça de façon géographique, comment est-ce que les éléments sont contigus. Et ici, il me demande d'autres critères géographiques que je peux utiliser. Donc, je peux dire non que, il n'a qu'à créer les zones de telle sorte que
la surface soit pratiquement égale. Parce que aussi, je veux dire, quand tu crées fin de sectorisation, on tient compte aussi de la géographie. Il y a même la vidéo que j'ai mis, on a parlé de ça. Pour ne pas qu'un gars gagne une zone qui est trop grande par rapport à d'autres, on essaie aussi d'équilibrer. Donc, on peut utiliser ça comme élément. Moi, je n'ai pas comme élément compact. Je veux que la zone soit compacte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la zone là, ça soit vraiment allongée, que ça soit compacte. Donc, ça, c'est un truc intéressant. Je peux dire qu'il faut équilibrer le nombre de sous-préfectures que tu agrèges même et autres. Mais en mettant ces contraintes-là, ça sera difficile pour l'outil souvent de trouver. Il le rend, ça devient plus compliqué pour lui que tu lui dis, avec une zone comme Abidjan, qui a des 1 million, tu n'auras trouvé des groupes où la superficie, ils ont la même superficie. Abidjan est petit, mais la piste de population, ça devient compliqué. Et puis tu lui demandes de trouver le nombre d'éléments. Mais on peut lui demander de faire, il ne va pas avoir le bon résultat, mais il va donner le meilleur résultat. Donc, ça devient plus compliqué quand j'ajoute tous ces critères. Et je peux après ajouter des critères de... Je regarde les fonctions là et autres. Je peux ajouter d'autres variables que je veux avoir à l'intérieur. Je pense que ça... Je peux ajouter d'autres variables qui vont soumettre après pour que j'ai les informations. C'est-à-dire qu'à la fin de faire... Mon truc, il y a un certain nombre de variables que je vais regarder. Ici, je vais forcément regarder la population de 20 à 59, ça c'est sûr. Je vais aussi regarder la population totale de femmes. Je vais me faire des calculs statistiques derrière après, quoi. C'est tout ce que je prends là. Je vais peut-être, bon, je m'arrête là. OK. Distance à considérer, si j'ai des distances à mettre à l'intérieur, je n'ai pas une fichier de distance. Je n'ai pas ajouté même des variables catégorielles même. C'est-à-dire que, imaginez que j'ai une information catégorielle, je peux prendre comme ça pour la population. Pour la sous-préfecture, c'est quelles caractéristiques catégorielles on peut avoir. Peut-être qu'on a une information, je ne sais pas quel exemple on peut prendre. Mais bon, quand je dis catégorielle, ce n'est pas des chiffres. C'est peut-être des valeurs qu'on aura derrière. Donc, si une variable catégorielle, j'ajoute. Il a plein de fonctions derrière. Ici, c'est les tailles de population qu'il va utiliser dans l'algorithme. Le nombre de fois il va faire des itérations. Il s'appuie sur un algorithme qu'on appelle... C'est un algorithme génétique. Un algorithme génétique qui fonctionne comme nos gènes. On explique ça dans la partie truc. Il utilise un algorithme génétique de chromosomes. Il a fait des chromosomes là, non? Ouais. On fait ça au lycée là. Il utilise ça, c'est cette fonction-là derrière qu'ils ont appliqué à ça. Ils ont pris le domaine médical et puis ils ont appliqué à ça. Donc, c'est cette fonction-là. Après, il faut connaître comment est-ce qu'elle fonctionne et autres. Donc, je m'arrête simplement sur ce truc. Le reste, là, c'est juste vous montrer les critères, tout ce que je peux faire comme variable. Et puis, je lance. Monsieur, au lieu de mettre 500 000, j'ai mis 520 minutes. C'est trop juste aussi. Donc, l'algorithme se met à tourner. Et vous voyez, il m'a créé des zones compactes. Voilà, c'est un peu regroupé. Donc là, il m'a créé combien de zones? Il m'a créé 9 zones. Ok, il m'a créé 9 zones. Je lui ai dit que ça sera difficile parce que Abidjan est trop grand. C'est ce qui fait que... Donc, en regardant la population de 500 000, là, il m'a créé 9 zones. Parce que si forcément, il doit mettre Abidjan quelque part, ça devient compliqué. Elle dit, mais mon calcul de TK. Donc, il m'a créé 9 zones et il essaie d'équilibrer la population à l'intérieur. Et je suis sûr que la partie Abidjan va forcément grimper, quoi. Donc, pour une analyse, je peux peut-être définir et soustraire l'enlever Abidjan dedans. Je ne veux pas qu'Abidjan me fatigue. Maintenant, voici un truc intéressant, c'est qu'il va faire des graphiques derrière. Et ici, on peut faire des graphiques dans Adis Pro qui sont dynamiques. Donc, ici, j'ai la somme, les différentes valeurs considérées. La somme de femmes. De 20 à 59 ans par zone, que j'ouvre comme ça. Enlève ça. Vous voyez? Donc là, j'ai la somme de femmes de 0 à 59 ans. La zone la plus grande, c'est la zone 1. Dedans, vous voyez qu'ici, il y a tout équilibré, non? C'est à peu près la même chose. 400 000, 5, ici, on va voir 520, 525. 543,
c'est le meilleur résultat qu'il peut avoir. Tu dis, je ne peux pas avoir 520 pour tout le monde forcément. Donc, voilà ce qu'il peut avoir. La dernière zone, c'est 400. Après, il a itéré jusqu'à... Il n'a pas pu mettre la dernière zone à 500, il a mis à 400. Vous voyez? Ça, si on me demande de faire la main, c'est pratiquement impossible. Tu risques de mettre moi en train de chercher à agréger chaque zone pour voir pour... Tu vas donner forcément un résultat bidon. Et il dit, ah, il y a une zone qui est de marque. Elle, c'est au moins 1 million. Donc, quand je clique là, automatiquement, ça me met cette zone-là. Je pense que je peux lui demander de faire, j'ai même plus un zoom sur ça, ouais, ça filtre la sélection, extend, ok. Je vais être extend, non? Toutes les zones, je vois plus, switch, sélection. Je ne vais pas me laver. Je ne vois plus, sinon juste, il a tout sélectionné. Okay. Je ne vois pas comment on peut lui demander de zoomer normalement, pour ce qui est trop. Ça appuie pas là-bas. Oui, oui, juste j'ai fait la fermée, la zoomée dessus, il a fermé tout le reste. Ok. Ça peut arriver sur mon fichier Excel. Donc, si je zoome, voici la zone qu'il a créée, une nouvelle Abidjan qui fait 1 million. Il a pris Abidjan, il a essayé d'ajouter d'autres localités à Abidjan et autres. Toujours apprendre. C'est parti, cliquez sur ma chose, moi, je vais plus c'est sors de ce zoom, bon, pas vraiment fatigué. J'ai appelé ma chose à sa place. Ok, d'accord. Donc, j'ai la population, j'ai un nombre d'éléments, de graphiques. Normalement, les graphiques interactifs, de telle sorte quand je clique là, je vois du côté. Donc là, je n'ai que 9 zones et ça ne répond pas forcément à mon besoin. Je relance l'algorithme, mais cette façon, lui disant de créer mes 10 zones là. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre ça, je prends plutôt créer mes 10 zones ici. Donc, je prends, je mets là, c'est les 10 zones à prendre, à créer. Il me demande c'est quelle variable doit être utilisée pour faire la population de 20 à 59 ans que j'utilise simplement. Après, je lui demande de créer les mêmes variables, puis je relance pour voir les résultats. Donc, quand je lui demande de créer 10 zones, OK. OK. Elle a créé 9. L'autre a dit c'était 9. C'était pas 10. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a créé 9 zones. Non. OK. C'est différent maintenant. Yeah. Ok, donc j'ai mes 9 zones. Au juste, je pense qu'il crée une zone de ça. Donc, je dois peut-être retirer ce gars-là dedans. Il crée une 10e zone, mais c'est la zone de. Il n'y a pas de population là-bas, donc je mélange mon calcul. Ok, 9 zones. Donc, j'ai toujours la même distribution de population. Mais non, c'est pas le même résultat que j'ai eu. Ah, d'accord, ok. Donc ici, c'est mieux que je mette ça dans un nouveau fichier, ok. Donc, 10, ça, puis on bosse. Ok. Donc, il y a un nouveau résultat qui sera différent de ça.
Donc, c'est mes différentes zones, les différents résultats en fonction de... Pour faire mon travail, moi, j'aurais mis Abidjan dans une seule zone. Et puis, je crée carrément les 9 zones autour d'Abidjan. Ça me fait les 10 zones. Parce qu'Abidjan a déjà une forte répartition de la population. Donc, à ce que le dossier va me donner aussi, à ce que aussi, selon mes analyses, je pourrais ajouter autre. Donc, vous voyez, c'est ça une sectorisation. C'est de regrouper. Ici, on appelle cette zone en partie de quoi administratif. Donc, j'ai regroupé là quoi? Les différentes sous-préfectures là, en respectant un certain nombre de critères, en laissant un équilibre de population à l'intérieur et autres. Donc, c'est sensiblement, quand j'affecte une population dans une zone, elle a sensiblement une population qui est un même portefeuille que tout le monde. Donc, c'est un peu plus équilibré. Donc, je pourrais ajouter différentes variables selon. Il y a des cas où j'ai eu besoin de faire 3 ou 4 variables à la fois et laisser d'équilibrer carrément les différentes variables, quoi. Et ça, si j'ai pas un logiciel, c'est une activité qui est difficilement faisable manuellement, quoi. Manuellement, c'est difficilement faisable. Il me faut un algorithme un peu plus puissant qui arrive à le faire. Donc, je pense qu'avant, je faisais avec R, j'avais des algos de clustering avec R que j'utilisais pour le faire avant de découvrir que je pouvais utiliser ça sur ArcGIS, quoi. Donc, c'était un peu ça. Du coup, on sait comment faire une sectorisation. Vous aurez la vidéo pour reprendre la partie sectorisation et autres. On sait ça, faire une sectorisation. Et c'est une activité. Toute entreprise commerciale va sur un principe qu'il faut mieux s'organiser son budget de fin de coupage commercial pour leur entreprise et autres. C'est bon à la question? Une question sur le fonctionnement, sur d'autres idées qui passent en tête? Oui, quelle question? Vas-y. Comment? Vous craquez les logiciels ici, non? Tu veux que je dise ça dans la vidéo, mais c'est pas. Dans cette vidéo, non, il n'y a pas de ça. Mais je pense qu'il existe des vidéos en français sur Adispo. Adispo, c'est pas les anglophones qui ont utilisé. Ils ont expliqué ici leur algorithme qu'ils ont utilisé pour faire là. Donc, pour dire que pour quelqu'un même qui fait du codage et autres, en fait, c'est un algorithme parce que le clustering, je le fais avec R et tout. J'avais trouvé un algorithme de clustering spatial. Et si tu fais clustering simple, c'est-à-dire que ça se fait clustering simple, on va les faire ma part à la fin. Avec Python. Donc, si on a Python, c'est QGIS. Donc, pour faire ce QGIS, c'est obligé de faire peut-être en Python. Donc, clustering, contrainte. Spatial. Pas de analyse de données intense que de la son de contraintes spatiales, de contraintes pour le clustering spatial avec R. C'est le résultat, on monte un peu ici. Ah,
les algos qui existent, les packages, introduction to cluster geo, package, cluster geo, improvement of client clustering, basal content. Il y a des algos qui existent pour pouvoir manipuler ça. Donc, si on n'a pas ça, ce qu'on a fait, on va faire ce que je vais pouvoir être capable de faire ce genre de trucs. Pour l'arriver souvent, on n'aurait pas le recette, pas faire ce que tu veux. Donc, tu fais comment? Tu trouves un moyen de pouvoir faire ton travail, quoi. Donc, je vais couper la vidéo, hein. Je pense que. Je vais couper l'enregistrement, ça devient un peu trop long.